Alléluia. 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 Je n'ai pas coupé. On a dit d'acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Et nous, on va faire des fois des acclamations. Après, on va acclamer comme un vrai ou pas un vrai. Tu n'acclames pas ton enfant. Avant le temps, on nous dit que c'est pas ton enfant. On va faire des fois. Vous ne savez pas acclamer. Mais maintenant, à Paro. Vous ne savez pas acclamer. Mais maintenant, je n'ai pas dit d'apprenti. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas dit d'apprenti. J'ai dit d'acclamer. Et quand on dit on parle d'acclamer, il y a acclamation dedans. Et quand on dit acclamation, c'est qu'il y a des paroles qui sortent. Des paroles d'élévation. À l'endroit de celui qu'on acclame. Alléluia. Alléluia. J'ai l'impression que c'était acclame d'une manière, d'autres acclame d'autre manière. Alléluia. Alléluia. J'espère que mon micro va marcher sur ma tête. On l'a que le micro tient là, on a fondu. Je prends tout dans le sang de Jésus. Alléluia. 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 On va acclamer le Seigneur Jésus. Mais là, on peut la croix de Jésus. Nous allons acclamer. Mais là, on peut. Tout à l'appel. Le puissant guerrier. Quand on chantait, j'entendais ce nom. Le magnifique de Galilée. Alléluia. Alléluia. L'homme de Galilée. Tout le monde le cherchait. Mais et quand on le rencontre, tu ne pars avec la joie. Et tu ne pars avec la paix. Personne n'a rencontré Jésus. Mais comme après Jésus. Triste. Alléluia. Alléluia. C'est pas tous l'acclamaient. Et tous cherchent à le voir. Mais dis-moi, dis-moi moi. Alléluia. Alléluia. Celui que tu veux acclamer là. Mais allez, on peut là. Dépasse la terre. Et vous, quand il prend la Bible dit quand il pose un pied sur la terre, que la terre tremble. Pourquoi? Parce que la terre ne peut pas supporter. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Même le ciel ne peut pas le garder. Mais, il traverse, dépasse le temps. Mais c'est vrai qu'on veut acclamer ce matin. C'est un peu faiblement. Ouais, on peut comme quelqu'un qu'on a rencontré. Dit, mais que. À la sortie de cimetière. Ou bien ce matin, vous êtes parti enterrer quelqu'un. Vous êtes là vraiment mélancolique. Je veux voir le point de Dieu joyeux. Je veux voir le point de Dieu libre, que soit libéré. Ce matin, le Seigneur a prévu de grandes choses dans vos vies. À chaque fois qu'on rencontre le Seigneur, quelque chose sort dans nos vies. Je vois les gens froids. Je vois les gens tristes. On peut être que deux ou trois personnes. Qui essaie de sortir la tête, mais que vous restez là. Comment est-ce que vous voulez adorer le Seigneur dans cette atmosphère? Le Seigneur ne peut pas créer ce genre de culte. Je vous dis la vérité. Lorsque vous voulez un culte, libérez-vous. Quand tu traverses la porte là, il y a un grand truc là. Tout est tombé dedans. Mais pourquoi tu veux garder ton problème? Tu as le choix. Soit tu gardes le problème,
On se dépend, tout dépend le problème à Jésus. Mais tu ne peux pas garder le problème que Jésus a fait quelque chose. Alléluia. Alléluia. Tu as le choix. Mais moi, il a choisi. Il a choisi de poser mon problème. Et je te viens maintenant pour recevoir la solution. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Le Seigneur.
Comment vous vous sentez en ce moment? Est-ce que quelque chose a changé? Alléluia. Alléluia. C'est des choses qu'on doit pas voir. Chaque fois vous rappeler. Notre Dieu, Jésus-Christ. La torée de toute notre âme. Alléluia. Quand nous parlons, il y a d'autres qui sont en train de mourir. Est-ce qu'ils ont prévu qu'ils vont mourir aujourd'hui? Pendant que nous parlons, d'autres sont peut-être conduits en prison. Est-ce qu'ils savaient qu'ils iraient en prison? Pendant que nous sommes là, d'autres sont en train de les hôpitaux. Ils ne savent pas là où ils vont les mettre. D'autres sont dans le coma. Est-ce qu'ils ont prévu? Il n'y a pas de faux de tout cela. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. La vie que tu as suffi. La vie que tu as te suffit. Ne regarde pas tes problèmes. Les problèmes, c'est pour la chair. Le Seigneur te dit. Tu dois te fortifier. Parce que tu as une fin heureuse. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu vas passer d'abord par le feu. Tu dois passer par le feu. Si tu ne passes pas le feu, comment on peut prouver? Si l'on ne passe pas le feu, comment peut-on voir la valeur de l'homme? Tu es comme cet homme qui doit passer par le feu afin que sa valeur soit révélée. Alléluia. Alléluia. Les gens vont donner ce cantique. Un cantique pour manifester la gloire de l'Éternel. En ce lieu, le peuple de Dieu, nous allons chanter avec le chanteur afin que la gloire de Dieu soit en ce lieu. Que la gloire du Seigneur descend, que la gloire du Seigneur descend, que la gloire du Seigneur du haut des cieux descend. Oh.
Je me présente devant toi
comme un simple canal. Papa, je prie que tu me purifies afin que ta parole sorte telle que tu l'as voulu. Que mes pensées, que mes connaissances, ô Saint-Esprit, soient anéanties et que la parole elle-même parle. Seigneur Jésus, transpose les cœurs, transpose les esprits, fortifie tes enfants. Amen. Seigneur Jésus-Christ, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia, pour que Dieu, vous pouvez vous asseoir. Tu vas encore saluer ton frère. Tu vas encore saluer ta soeur. Tu vas dire bienvenue dans la maison de Dieu. C'est l'heure de la nourriture. C'est l'heure où ton âme va encore recevoir cette nourriture qu'elle espérait depuis. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Accordez-nous une main. Pour que Dieu. Pour vous marrer, toi. C'est avec beaucoup de joie. Au point, il dit d'arrêter ce matin. Voilà, fin de là. Que ce matin. Voilà, fin de là. Je me présente devant vous. N'entendez rien, nous, comme toi. Alléluia. Alléluia. Je dis. Non. Que mon cœur tressaille de joie ce matin. Aïe, aïe, je vois ton frère, je vois tes soeurs. Ne mon ami, mon ami, mon ami. Tout ce qui se passe, il tient toujours bon. Il continue toujours la marche. Beaucoup démarré. Mais je crois bien. Et cet homme déjà abandonné. Vous continuez de croire. Mais faut me dire que le Seigneur vous fortifie. À quoi je viens de dans la main. Vous savez, mais toi, le but. C'est la fin. C'est la fin de tout ce qui compte. Tous nous commençons avec un point. Commençons avec l'amour. Est-ce que le même ciel va demeurer jusqu'à la fin? On doit se poser chaque jour. Cette question nous devons la poser. Est-ce que j'irai jusqu'à la fin? Est-ce que je peux supporter jusqu'à la fin? Je veux te rassurer que tu peux finir. Tu peux finir la course. Tu es dans la joie. Et qu'au dernier jour, le maître te dira, Azan, fidèle serviteur, mais c'est la vie. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la félicité éternelle. Juste lui-même. Azan, la propre terre du ciel. Il va te faire entrer. Mais il y a des acclamations. Alléluia. Pense à ce jour. Pense à ce jour. Qu'on réalise que ton séjour sur la terre. Et comme un bref temps. Pour toi, tu vois que c'est long. Regarde ceci. Ajoute encore 30 ans, 40 ans à ton âge. Un point baisé, ajoute encore 50 ans à ton âge. 80 ans à ton âge. Je crois que beaucoup seraient déjà partis. Alléluia. 80 ans contre l'éternité. Où est-ce que je vais prêter mon attention? Est-ce que c'est sur mes 80 ans? Quand nous courons sur les 10 ans? Ou pas miracle sur les 100 ans? 100 ans face à l'éternité. 100 ans, que quelqu'un soit là. Sur quoi mon cœur doit chercher? Alléluia. Mon cœur doit chercher l'éternité. Mon cœur doit chercher l'éternité. Il y a deux destinations dans l'éternité. Il y a le lieu de la joie éternelle, le lieu de bonheur, il y a aussi le lieu de tourment, le lieu de tourment, le lieu où les pleurs ne cessent jamais, où les douleurs s'intensifient. Ce jour, bien-aimé, tu dois le craindre. C'est pourquoi tu dois le préparer. Tu dois vivre comme c'est le dernier jour de la terre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même s'est sacrifié. Et toi le don. Afin que toi, pécheur, toi, tu ne peux jamais avoir part au salut. Puisse aussi aujourd'hui parler de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois garder. La foi. Tu dois garder la foi. Alléluia. Alléluia. Ce message, je le transmets. Oui, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de le donner au peuple de Dieu. À cause de l'Église, à propos. Amen. Amen. Amen.
Bien-aimé, comme je le disais, je dis à Christ, c'est bon. C'est bon. Mais ce qui est très bon, ce qui est mieux, c'est rester en Christ. C'est vivre Christ. Tout à l'heure, on chantait. J'attendais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en lui. Alléluia. Alléluia. Qui peut certifier que c'est Christ qui vit en lui? Mais quand on a un qui s'est animé à l'assemblée de Atokoumé, on a dit voilà. Alors, c'est Christ qui vit. Alors, Christ est en lui. Alléluia. Alléluia. Ceux qui pensent que Christ vit en lui, n'ont qu'à lever la main. Mais dis d'abord, on dit ça à la gare. Ceux qui pensent que réellement Christ vit en nous. Mais il est un qui s'est animé, on dit ça à la gare. Alléluia. Alléluia. J'ai l'impression que les gens déjà hésitent à lever la main. J'ai dit non. Que ceux qui pensent dans le cœur. Mais il est tombé. Christ en nous. Que Christ le yémé. De lever en époque. Il est dit, nous pouvons aller la gare. Alléluia. 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 J'ai vu que les gens levaient la main. N'est-ce pas? On a fait un peu de aller la gare. Alléluia. Alléluia. J'avais dit que Christ est en moi. Mais dans le cœur, c'est plus moi qui vis. Et bien, il y a le père. Mais c'est Christ qui vit, toi, le père. Est-ce que tu es conscient que c'est Christ qui vit? Est-ce que c'est Christ qui vit en toi et que tu mènes cette vie? Christ est revenu voir le père. Est-ce que c'est Christ qui vit en toi et tu calomnies? Christ est revenu voir le père. Est-ce que c'est Christ qui est en toi? Christ est revenu. Et que tu vas parler mal des autres? Adam et Loïc. Est-ce que c'est Christ qui est en toi? Christ est revenu. Que tu vas te mettre en colère? Balance Romain. Est-ce que c'est Christ qui est en toi? Christ est revenu. Que tu vas mener une vie de sorcellerie? Balance un gaz et ton. Alléluia. Alléluia. Je ne crois pas. Mandine. Je ne pense pas. Mandine. Christ n'est pas encore. Christ m'a revenu. Alléluia. Alléluia. Christ n'est pas encore. Christ m'a revenu. Christ n'est pas encore revenu. Alléluia. Alléluia. Jésus disait à cet disciple. Jésus à nous disait par Jean 13. Jean 13, ben. Jean 13, verset 34. Jean chapitre 13, verset 34 et verset 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Alléluia. Il dit, et non, à ceci, nous connaîtrons, même si c'est que vous êtes des disciples. Et on dit disciples de quelqu'un, ça veut dire, et de dire ressembler à celui dont les disciples. Ressembler au maître. On dit facile. Un petit maître qui est devant moi. Alléluia. Alléluia. La première fois que on a appelé. Les premiers disciples chrétiens, c'est parce que la vie de ceux-là avait tellement étonné les gens. Christ est mort depuis. Selon qu'il y a encore des petits Christ encore. Des gens qui vivent comme Christ. Des gens qui manifestent l'amour. Alléluia. Alléluia. Au point de dire voici les petits Christ. Donc si toi mais tu t'appelles chrétien, et que tu ne mènes pas la vie de Christ, au dernier jour, tu vas rendre compte de cela. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus nous appelle vraiment à le ressembler. À le ressembler. Nous, mais tout. Mais il est primaire. Afin que le monde puisse témoigner que Christ est en nous. Ayons une dépouille encore Christ au mimé. Quand il dit, aimez-vous les soeurs et soeurs. Et il y a un peu mis ou un miné. Aimez-vous les soeurs et soeurs. Quand nous parlons d'aimer. Les uns les autres, on voit déjà l'amour qui apparaît. Alléluia. Alléluia. Je vais donner la parole à deux personnes dans le peuple de Dieu. Et on me dit ce qu'ils comprennent de l'amour. Nous, quand Jésus dit aimez-vous les uns les autres, qu'est-ce que lui comprend par là? Je vais donner la parole à deux personnes. Une personne ici, et une personne là-bas. Ici, qui veut me dire ce qu'il comprend. Oh merde, ben vous avez les autres. Mais ce que vous comprenez par là. Et t'as mon demain. Vous ne comprenez rien. Mais mon don de mais vous n'avez jamais lu la Bible. Maria Uber de l'air. Vous lisez la Bible, non? Venia Uberia. Vous lisez ça chaque fois, non? Venia Uberia. Qu'est-ce que vous comprenez? Et vous les uns les autres. Mais vous avez l'air. C'est tellement si simple, mais qu'est-ce que vous comprenez? Et Fatima. Oui. Vous donnez le micro à la maman. Voilà, Dieu. Alléluia.
S'il y a l'amour là, il n'y aura pas la reine. S'il y a l'amour, il n'y aura pas la reine. Il y a la joie tout le temps. Si je fais quelque chose qui te fait mal, tu vas me pardonner. Alléluia. Alléluia. Vous avez entendu ce que la soeur a donné comme ce qu'elle comprend. Mais c'est une histoire de démon. Le commandement du Seigneur, elle veut vous laisser les hommes. Cela veut dire pour elle. Et il a encore eu temps. Et pas haïr. Et aussi manifester la joie. L'amour, c'est la joie. L'amour, c'est le contraire. L'amour, c'est plutôt la haine, le contraire de la haine. C'est ça, en fait. Tel que je voudrais. C'est pas exactement ce que je veux. Mais ce que la maman dit n'est pas faux. Nous allons comprendre ce que le Seigneur dit par là. Alléluia. Voyez ici, fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle peut vous laisser les autres. Selon moi, aimez-vous les uns les autres. C'est d'éprouver de la joie envers la personne. Quelle que soit sa nature. Quelle que soit son rang. Quelle que soit ce qui t'a fait et ça t'a énervé dans le passé. Nous éprouver de l'amour. Maintenant, c'est en le voyant, tu dois manifester la joie. Néanmoins, toutes les circonstances. Nous, ah bon. Donc, même si tu fais du mal. Si nous allons pratiquer cet amour dont on parle, le Seigneur. Si nous. Nous allons pratiquer cet amour. Et quel amour nous pratiquons? On va examiner. Le plus important de sortir ce que je veux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tellement le commandement a l'air d'être simple. C'est tellement profond. Mais c'est tellement profond. Et si sorti, vous savez, mais toi, aujourd'hui, si. Nous avons reçu la grâce d'être appartenu à une église. C'est parce que on nous a laissé l'héritage. On nous a laissé l'héritage. Je suppose que c'était nous qui étions les premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ. Je parie que. Après notre mort, il n'y aura pas d'église. Alléluia. 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 Parce que nous ne connaissons pas le sens de l'amour. Regardez la vie de la première église. Regardez le témoignage qu'on a rendu à ses disciples. Au point où la Bible dit que simplement que les gens vivaient de telle manière qu'on n'arrivait pas à faire la différence. Entre pauvre et un riche. Les gens vendaient tout ce qu'ils avaient. Et déposaient au pied des apôtres. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons voir ce genre d'amour? Est-ce que quand je vois mon frère en train de souffrir, est-ce que je peux sentir la même souffrance dans mon corps? N'est-ce pas moi d'abord j'ai dit, est-ce que même j'ai trouvé quelque chose? Est-ce que mes enfants ont déjà mangé? Est-ce que mon mari a déjà mangé? Il faut d'abord que je trouve quelque chose pour eux d'abord. Avant de penser à l'autre. Alléluia. Alléluia. C'est le premier réflexe que nous avons chaque fois. Mais regardez celui qui s'est offert à nous. Oui, en réalité, la Bible déclare au ciel. Les anges sont incontables. Il y a des myriades qui l'attendent jour de nuit. Mais au ciel, il n'y a pas un jour où on n'attend pas. Il n'y a pas une seconde, il n'y a pas d'adoration. Comme on entend le mal, le Seigneur n'a pas besoin des hommes. Il reçoit l'adoration. Il reçoit les louanges. Et les anges sont obéissants. Alléluia. Alléluia. Mais il a laissé tout ça. Tout cette gloire, tout ce privilège, à regarder l'homme, à regarder le pécheur, à regarder le voleur, à regarder le sorcier, à regarder la prostituée. Il a dit vraiment, il faut que je laisse ma gloire pour venir le transformer, pour venir le transformer
afin qu'il me ressemble. Alléluia. Alléluia. Donc l'amour du Seigneur Jésus, c'est d'abord le temps de sacrifice. Quand il aime vous les gens de Dieu, ça voudrait dire que je sacrifie pour les autres. Je vais mettre au service des autres au milieu de l'homme. Alléluia. Alléluia. Ce matin, après, là, j'avais déjà préparé le message. Mais quand je suis arrivé, le Seigneur m'a dit non. Ce message, non. Je prépare un message sur la délivrance. Le Seigneur m'a dit non, non, non. Ce message, mon peuple n'a pas pour ça maintenant. Je peux enseigner à mon peuple la vie de l'église. Comment les chrétiens doivent vivre ensemble. Je vais enseigner sur la communion fraternelle. La vie en communauté. Alléluia. Alléluia. Je vais enseigner cette vie afin que mes enfants apprennent à vivre ensemble. Parce qu'ils sont ensemble et leurs cœurs sont éloignés les uns des autres. Ils se saluent. Et en réalité, réellement, ne se salue pas. Mais il donne l'impression d'être en joie, mais en réalité, dans le cœur, il y a autre chose. Alléluia. Alléluia. Mon esprit veut faire de grandes choses. Dans cette assemblée, avant que mon esprit ne fasse quelque chose, les esprits doivent être unis. Les pensées doivent être uniques. Tout ce qu'on doit ressentir doit être la même chose. Et dans ce cas, là, je trouvais de place. C'est ce qui se passait dans l'église primitive. Si aujourd'hui nous avons hérité de l'église, parce que les premiers, ceux qui ont reçu l'église des mains du Seigneur Jésus, ont vraiment développé la vie. Il est donc la vie de Jésus. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à créer la mort. Regardez comment battaient les apôtres. Ils étaient contents. Ils étaient contents, les persécutés. Ils étaient joyeux. Ils voyaient la joie dans la présence. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, une chose, il faut commencer par se plaindre. Une chose. Les gens disent qu'on ne les regarde pas. Depuis que moi je suis arrivé dans l'église, voilà, personne ne me regarde. Personne ne sait de ce que je souffre. Personne ne sait comment je viens à la maison. Personne ne sait le peu que j'ai. On ne peut pas pour moi. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui me met dans les cœurs. Les gars, ils viennent. Ils sont là simplement. Et on dit faire le fond. Parce que quand ils vont pas venir, les hommes vont demander pourquoi le frère n'est pas venu, pourquoi la soeur n'est pas là. Alléluia, alléluia. Il vient pour la forme. Ce matin, le Seigneur veut te parler. Si c'est toi, le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te parler sur la vie en communauté. Nous allons prendre le livre de Psaume 133 que nous lisons tous les jours. Psaume 133. Psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Lémon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Regardez comment le Seigneur te marie. Mais pour le Seigneur m'a bon. On dit voici. Elle a mis bon. Oh, c'est tellement merveilleux. Et ils ont dit, on fait quelque chose d'excellent, d'extraordinaire. Mais là, on a dit voici. Ça veut dire qu'on fait la chose. Ça veut dire qu'on sent la chose. Non. Il dit qu'il est agréable. Mais non. Qu'il est tout. Regardez bien. On dit c'est tout. Elle est non. Ce qui est tout est comment? Et oui. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Pour tes frères de te marier ensemble. Le Seigneur dit que c'est bon, c'est agréable de te marier ensemble. Te marier ensemble, tu vas venir s'asseoir ensemble. C'est pas ce que ça veut dire. Te marier ensemble. Tu vas pas seulement dire, venons évangéliser ensemble. Alléluia. Te marier ensemble. Tu vas pas dire, chantons ensemble. Te marier ensemble. C'est avoir le même cœur. Alléluia. Alléluia. C'est avoir le même cœur. Ce que mon passé ressent. Ce que mon frère ressent. Moi, si je ressens ça, si ça ne va pas, moi, je sens ça. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur sentait qu'elle était sur la terre. Mais à cause de Jésus, au monde de la vie, il a donné son amour au corps pour le ciel. Aisé, au moyen temps, Alléluia. Alléluia.
Tremblez ensemble. Si vous la même pensée. Tremblez ensemble. Alléluia, c'est partager. Partager la tête. Partager la soie. Alléluia. Alléluia. Parfois, toute personne, qui vit tes peines, elle t'a pas main, mais ne partage pas. Mais il y a un manque, mais bon. Alléluia. Alléluia. Mais si on se laisse tes peines, à quoi ils ont envoyé, si nous tomberons ensemble. Ne me pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Éternel. Qu'est-ce qui va se passer avec tes clans? Éternel. La Bible dit que c'est comme de l'huile. Et dit ami, précieuse. Ami vivant. Précieuse. Ami vivant. Pour nous, précieuse. Ami vivant. Qui? Il est répandu sur la tête. Alléluia. Alléluia. La tête ne te parle ici. Attends, on parle de tête là. Alléluia, on parle d'église ici. Et la tête de l'église, c'est Christ lui-même. Alléluia. Alléluia. Donc Christ déjà lui-même a déjà reçu l'onction. Et puisque nous, nous appartenons à ce corps, nous le considérons un peu comment ça va descendre, n'est-ce pas? Ça va descendre sur le bord de vêtements. Ça va parcourir le corps jusqu'à aller vers le primat. Ça veut dire que chacun de nous va recevoir cette bénédiction. C'est ce que nous avons dit. Parce que nous constituons un membre particulier. Maintenant, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça. Alléluia. Alléluia. C'est extrêmement important. Elle n'a pas la qui met en. C'est extrêmement important de demeurer ensemble à la table. Regardez la vie de cette histoire. Un mouvement au verset 45. Lisa a parlé de verset 41. Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église à ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Voilà Jésus. David dit, au verset 42, dit quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Nous croyons. Qui sont ceux-là? C'est ce qu'on a parlé dans le verset 41. Les disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre, maintenant, ce que nous dit la communion fraternelle. Pourquoi la communion fraternelle? Est-ce que vraiment il y a cette communion dans cette église? D'abord, est-ce que même la communion fraternelle est encore possible de nos jours? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre comme les apôtres? Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'église de cette dernière temps, vivre comme les apôtres? Alléluia. Qu'est-ce qui empêche la communauté fraternelle? Qu'est-ce que nous allons faire? Pour préserver la communion fraternelle. Et comment la communion fraternelle se manifeste? Nous allons répondre. Alors, lorsque nous parlons de communion fraternelle, d'abord, nous allons prendre même le concept communion. Communion. Quand je dis communion, en même temps, mon esprit pense à quelque chose. C'est ça, non? Ouais. C'est quoi la communion? La communion. La communion. Je veux m'assurer de l'état de connaissance du peuple. La communion. C'est quoi la communion? La communion. Oui, la maman. La plupart de mes enseignements c'est théâtre. Donc on participe. Alléluia. Nous pouvons dire moi, mais pour nous. Alléluia. Alléluia. Nous on va faire les trucs ensemble.
C'est ce que j'ai dit. Alléluia. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai dit. Alléluia. Donc, elle dit aussi, la communion, c'est l'unité. Alléluia. C'est qu'elle a dit, on va tout comprendre dans la définition. On va prendre le mot communion. Mais le mot communion. Dans le mot communion, on a beaucoup d'autres mots qui se cachent. Je même alléluia. Pas demain. Dans communion, on a quel mot? On a commun. Alléluia. Mais on a le mot commun. On a autre. Il y a commun. Mais là, quoi, quoi? Nous avons commun. On a encore quoi? On a union. Bon, commun. On a encore quoi? Communion. On a commun, on a union, on a encore quoi? On a vision. Ta communion, vision, c'est un peu loin. Alléluia. Alléluia. On a commun, on a union. On a encore quoi? Il y a encore d'autres mots. Il y a l'unité. Alléluia. Alléluia. Ah, il y a encore quoi? Il y a encore quoi? Ta communion. On se lève. Notez. On a dit union, on a dit unité. Ça reste encore. Ta communion est encore d'autres mots. Alléluia. On va comprendre le mot aujourd'hui. Mais là, mon temps, mon roi, vous pouvez réellement si vous pouvez cette vie d'église. Mais là, quand on a commis le mot dans un. Nous avons aussi un. Mais non, dans communion, il y a un dedans. Là, le pont. Un. Le pont. Il y a aussi comme. Il y a le mot comme dedans. Il y a un. Alléluia. Le pont, alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit là? Mais combien? C'est là vraiment bon qu'on pense que c'est que. Mais un montant, on est grandi. Alléluia. Alléluia. On me dit communion. Et dans le mur. Si je vais lentement, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Communion. Comme une union. Alléluia. Alléluia. Comme une union. Comme union. Alléluia. Comme union. Et dit le pont. Comme. Et dit le pont comme unité. Et dit le pont comme un. Et dit le pont. Alléluia. Alléluia. Et tout revient. Communion. C'est un mot de vie. Ce sont des comportements. Ce sont des actions que nous menons et qui nous permettent d'avoir de vivre la même chose. Lorsque nous parlons d'unité, alléluia. Alléluia. Le monde dit quelque chose. On dit souvent, lorsque nous faisons l'unité, ça veut dire on ne peut pas séparer. Alléluia. Lorsqu'il y a unité, ça veut dire on ne peut pas séparer. Regardez bien ce point. Ce point, comme le verbe, c'est un, non? Mais quoi, tiens, moi, c'est fini en réalité. Et qui pas? Est-ce que je peux séparer ça? Est-ce que ce que tu dis, je peux enlever? Est-ce que les idées, c'est alléluia. Alléluia. Et quand je prends les chaises et les papiers, non? Regardez, une chaise, je vais aller mal à l'eau. Mais je peux les rassembler pour former une seule chaise. Non, non, père. Je peux mettre les unes dans les autres. Regardez, deux des mains. Lorsque je parle d'union, souvent on a tendance à confondre union et unité. C'est les thèmes qui sont proches. Mais ne disent pas la même chose. Mais non, le pardon. Il y a une différence entre union. Et unité. Pour le pot commun. Mais le Seigneur veut, après le droit, toutes ces choses se trouvent dans son programme. Nous me connaissons la bénédiction. Lorsqu'on parle d'union, il y a dans le pot. Ça veut dire que nous poursuivons le même objectif. Nous poursuivons le même objectif. Nous pouvons avoir des comportements différents. Nous pouvons avoir des attitudes différentes. Mais la finalité, c'est la même chose. Mais il faut nous. On dit souvent l'union fait la force. C'est à ça qu'on peut donner fort. Je suppose que mon frère a pour adversaire le diable. Et donc, mon frère aussi a pour adversaire le diable. La maman a pour adversaire le diable. On se reconnaît tous pour adversaire le diable. Ils ont le même adversaire. Ils ont l'adversaire. Comment? Mais chacun lutte à sa manière. Donc ils ont le même objectif. Mais lorsqu'ils vont décider de se mettre ensemble, les gars n'ont pas pour lutter. Maintenant, ça va devenir quoi? Une heure. Mais ce qui va se passer, c'est après. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont te mettre toujours ensemble? C'est là la question de l'unité va venir. C'est là l'unité va finir. Lorsque, après l'union, nous demeurons toujours ensemble. Nous partageons les mêmes valeurs. Nous véhiculons les mêmes situations. Là, nous sommes
unis. La mitié on parle d'unité. La mitié le pauvre maintenant. C'est pourquoi le Seigneur appelle à chaque fois l'unité. Et de retour à quand il était sur la terre, il donnait les sables. Il dit le Père et moi nous sommes un. Je suis dans le Père en moi. Le temps maintenant dit une main. Et il dit que je suis en vous. Et vous serez en moi et vous soyons. Le Seigneur aime l'unité. Et c'est dans cette unité que les premiers disciples ont marché. Le premier état, ils ont marché dans cette unité-là. Et ça a permis vraiment une grande passion de l'église. Pourquoi la communion fraternelle est est-ce que la communion fraternelle est importante? Pourquoi la communion fraternelle est importante dans l'église? Dans l'église de Christ. Quels sont les bienfaits de la communion fraternelle? Lorsque la communion fraternelle dans une église, qu'est-ce qui se passe? On va encore partir là-bas, dans le psaume 133. Le verset 1 et 2. Psaume 133, verset 1. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Alléluia, alléluia. Vous savez, quand nous prenons le livre de Somme, cette partie de nous dit que la communion. Et il avait fait de demeurer ensemble. Et on a comme un pote la joie, pote le confort. Et il a osé aïe. Pote la bénédiction. Osé de communion fraternelle est source de bénédiction. Non, pas le numéro. Donc lorsque nous sommes ensemble, nous sommes bénis. Ne me dis pas, mais nous sommes aïe. Donc il est important d'être toujours ensemble. De demeurer dans cette communion. Pour que le Seigneur puisse nous bénir. Il va nous bénir comment? Chacun vient avec sa situation. Mais le fait que nous sommes ensemble. Peut-être le frère ou de la soeur a un problème peut-être d'argent. Mais dans le peuple, il y a quelqu'un. Que le Seigneur pourvu plus de voyages. Le fait que nous sommes ensemble, le fait que nous avons partagé le même prêt, alors c'est que le frère a besoin de quelque chose. C'est pourquoi l'autre frère va intervenir pour le soutenir. Donc c'est comme c'est l'église, c'est comme la communauté qui l'a soutenu. Et ce dernier va se sentir aimé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ne se sentent plus vraiment à l'aise dans les églises. Ils se sentent opposés. Et moi, quand je dis que voilà, j'ai tout le monde m'a rejeté, le monde m'a persécuté, mais je viens en Christ. Ça va, je sais pas encore que c'est encore pire. Voilà, où est l'amour? Alléluia, beaucoup se plaignent. C'est parce qu'il manque cette onction. Il manque cette onction. Il manque cette onction. L'onction, c'est la force de Dieu. En musicien, il va produire la bénédiction, la joie de le réconfort. Dans la communion fraternelle. C'est pour ça pour réconforter le peuple. Peut-être que vous êtes venu. Les gens étaient un peu tristes. On sent vraiment que ça ne va pas. Mais si la communion existait, rien. Même le matin, quand on se voit, on a vu ce qu'on s'en passe. Mon frère, et je vais pas embrasser mon frère déjà. On s'en apporte la joie dans son cœur. Au moins, on me considère. Au moins, on ne m'a pas abandonné. Au moins, on m'aime. Alléluia. On ouvre le cœur. C'est ça la communion fraternelle. Est-ce que ça se passe ici? Est-ce que vous le faites? Pas lorsqu'on dit shalom, shalom, mais je ne peux pas dire ça. Shalom, shalom, même le chant, ça peut dire shalom. Ça ne donne rien. Alléluia. Alléluia. Donc ce que nous partageons ce matin, c'est extrêmement important. La communion fraternelle apporte la joie dans l'église. Apporte la paix dans l'église. Donne le réconfort dans l'église. Et l'église est en paix. Vous allez voir que les gens se disent, mais est-ce que les gens ils se connaissaient avant? Tellement on les voit unis tout le temps ensemble. Ils sont nés dans la même famille. Mais ils ont intégré une nouvelle famille. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Allez, au père, bonjour. Tu appartiens à la famille de Jésus, tu es ton frère. Tu appartiens à la famille de Jésus. Et là, nous disons à toute famille, j'ai vu ton mère. Alléluia. Alléluia. La communion fraternelle, permet aussi le renforcement des liens. Ça renforce les liens. Renforcer les liens, c'est que si je ne vois pas mon frère, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. Je
pas parce qu'on l'a appelé. La communion fraternelle. C'est pourquoi les premiers disciples étaient tous les jours ensemble. Et les autres disciples disaient, mais on ne voulait pas. Parce qu'ils se voyaient inséparables. Et on ne peut pas se séparer. Quand je me détache de mon frère, c'est que je sens un manque en moi. Quand je ne vois pas la salle à ronge, c'est que je sens quelque chose me manque. C'est ça. Moi, la communion fraternelle. Moi, il n'y a pas une nos vies. C'est ça la communion fraternelle. Moi, il n'y a pas une nos vies. Quand lorsque nous avons la communion fraternelle, on n'a pas de problème. Même nous, on ne peut pas me dépasser. C'est mes frères qui sont à côté de moi. Lorsqu'il y a une fraternelle, ça ne peut jamais, jamais s'éviter au milieu de vous. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'on ne se cache plus rien. On se dit tout. Les frères se disent tout. Les sœurs se disent tout. Il n'y a rien de caché. Lorsqu'ils voient ces choses, lorsque les liens ne sont pas renforcés, alors il y a des fissures, il y a des portes ouvertes. On dit, viens maintenant par ces portes-là dans l'église. Et il acclame, mais lui, il vit avec nous. On pense que c'est le Saint-Esprit. On pense que c'est mon frère. On pense que c'est le diable. Mais quel homme, mon frère. Tout faire. Mais d'abord, les plus faits, mais c'est pas. Mais là, toi qui n'allais pas saluer ton frère. Romain, je sais qu'il y a des gens qui ne se saluent pas. Mais là, comme les démons, tu peux dire, j'ai menti. De la loi. Parce que j'ai menti. Non, tu es de la loi. Il y a des gens qui ne se saluent pas. Mais tu es mon peux dire. Tu ne sais pas. À ma part, je peux te montrer ça tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Quand je dis à des gens qui ne se saluent pas. Et non, comprenez ce que je veux dire. Mais mon temps, oui, non. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des gens qui ne se pas shalom ici. Mais comment ça me fait à moi? Ça, ça va être à l'église ici. Ouais, bah. Et pour eux, à vous, vous. Alléluia. Alléluia. La salutation s'arrête ici. On peut être ensemble de l'église. Ah, on se connaît pour. Tous les voyants, tout le monde est bas. Chacun pour soi. Mais le peuple pour tous. C'est comme ça. C'est la loi de chacun pour soi. Dieu pour tous. On sait le peuple. C'est pour ne vous touche pas dans l'église. On sait mon quand on m'a dit là. On sait pour me dire à Caïn. À mon nom, Caïn. Tu fais attention au péché. Oh, gloire, nous vous êtes ton frère. On a vu toi, activement. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? En réalité, il était le gardien de son frère. Oui, oui. C'est ça en fait. Ouais. Donc tu es le gardien de ton frère. Tu es la gardienne de ta soeur. Tu es ton frère. Tu es mon gardien, je suis ton gardien. Aïe, tu es ton gardien. Est-ce que vous savez ce que le gardien fait? Qu'est-ce que le gardien fait? Et ta gardien, mon bro. Oui, mon frère. Le gardien veille toujours. Le gardien veille toujours. Alléluia. Est-ce qu'on peut laisser le plan du frère? Le gardien protège, veille, mais ils ont pas les yeux sont toujours ouverts. Nous comptons le gardien comme un berger allemand. Hey, un vol voulait s'approcher là, il commence pas à aboyer. Mais moi, alléluia, ça m'a dit ça. Bon, ouais. Être le gardien de son frère, intercéder aussi pour le frère. Soutenir le frère. Ça, être le gardien. Moi, attends. Le Saint est établi en tant que gardien de ton frère. À cause de nous, c'est ton frère. Frère, où? Seigneur, je ne sais pas la ville. Après, on m'a trouvé la ville comme Caïn. Tu es comme Caïn. Tu t'es levé aujourd'hui. Après, bon. Tu ne sais pas où ton frère. Tu ne sais pas ce qu'il est arrivé. Maintenant, en tant que le Saint te parle. Après, ton frère. Ouais, ta soeur. Ouais, non, je vais prendre cette nouvelle. Tu es comme Caïn. Alléluia. Alléluia. Le Saint te voit comme Caïn. Après, il m'a dit Caïn. L'église est remplie de Caïn. À go de Caïn. Alléluia. Alléluia. L'église est remplie de Caïn. Avant, Gon, Caïn, le Caïn. Et c'est le Caïn que Jésus viendra chercher. Caïn, ouais. Quand la tombe va sortir, c'est le Caïn que Jésus viendra chercher. Un peu d'amour, Caïn, ouais, Jésus va aller. Caïn ne peut pas aller au ciel. Caïn, ma gars, c'est un peu. Le premier Caïn n'est pas allé au ciel. Parce que le Caïn, souvent, il ne peut pas aller au ciel. Alléluia. Alléluia. À l'église,
C'est lorsque les liens sont renforcés. C'est là où le poste et l'employé sont assis ensemble. Alléluia. Alléluia. Le patron et son employé sont ensemble. Il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a pas de statut. Même parfois, même le prêtre est encore chef du patron à l'église. Alléluia. C'est ça la communion fraternelle. Moi, il n'y a pas une. Avec Jésus là, on dit ne peut pas dire quoi, ce que le monde ne peut pas te faire, Jésus. Mais à un moment, quand vous avez dit, le monde t'a rabaissé. Jésus te lève. Jésus la carte. Le monde t'a méprisé. Et à un moment, mais Jésus dit que tu es le plus recherché. À Jésus, à un moment, toi qui es méprisé en ce moment, Jésus te dit que tu es le plus recherché. Tu es le plus recherché. On va te rechercher comme de l'or. Et là, on va te chercher. La communion fraternelle est sous la télévision de l'humain. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Alléluia. Donc la bénédiction de César, c'est elle qui en. Réussi. On va compléter par Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrisé dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Continue. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, on a dit que la communion fraternelle est une source de bénédiction. C'est la bénédiction de l'État qui enrichit. Ça veut dire que lorsqu'il y a la communion fraternelle, nous sommes riches. Nous ne manquons de rien. Nous avons vu ce qui s'est passé dans l'équipe primitive. On est dans petite main. La Bible dit qu'on apportait tout. On partageait selon les besoins des uns des autres. Jean 4, 20. Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il aime son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous, nous avons de lui ce commandement. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia, vous avez compris? Mais mon goût de ça montre réellement que la communion fraternelle produit l'amour. Produit l'amour. Je suis sûr que tu vas me dire que tous les jours tu pries Dieu. Alors, tu aimes Dieu. Est-ce que tu n'as jamais vu Dieu? Tu l'as jamais vu? À moi. Tu l'as jamais vu? À moi. Pourtant, tu dis que tu l'aimes. Voilà, comme il m'a dit. Celui que tu vois tous les jours là. Bah, tu l'aimes pas et celui que tu ne vois pas, que tu peux te faire. C'est pas lui dire que tu te prends un menteur, tu es comme un menteur. Vous avez fait un deal, alors non. Ça vous a dit que nous devons manifester l'amour. L'amour dont le Seigneur parle ici. C'est pas cet amour qui va dire qu'est-ce que je vais gagner. Quand je vais appeler le frère, quand je vais le soutenir. Moi, c'est quand je le prends dedans. C'est pas cet amour qu'on parle. C'est pas cet amour qu'on va manifester, on doit forcément faire quelque chose en retour. Non. C'est un amour inconditionnel. Quand Jésus nous a sauvés, est-ce que l'on a donné quelque chose en retour? Tu as donné quelque chose en retour? Tu as montré Jésus, c'est voici la contrepartie de l'amour que tu m'as donné. C'est cet amour le Seigneur. L'amour qu'on manifeste sans mimi. Sans me chercher, qu'est-ce que je vais cailler? C'est cet amour.
Quand je vois le frère, il lui manque quelque chose. J'ai vu que ces chaussures-là, vraiment, pour le jupe, la chaussure. Et la chaussure, et quand pèse, sa tête pointe vers l'horizon. Parfois, dans mon cœur, je me moque de la mèche. L'amour t'amène à changer de chaussures. Dans ta maison, tu as beaucoup de chaussures que tu ne portes plus. C'est là, le frère. Et c'est toi derrière qui porte ça. Voilà ton frère. On a vu tous les jours portent la même chose. Et tu te portes encore de lui. Bah, quoi? Cet amour nous amène à donner. Cet amour nous amène vraiment à aimer les frères, à les donner vraiment ce qu'il faut. Il porte toujours le même habit. Alors que dans ma carte, vraiment, il y a cette chose. Si tu meurs, il y a un coup. Tes amis vont t'accompagner. Bon, même si ça t'accompagne, tu n'iras pas là-bas avec tes habits. Et si on fait rien, on met les habits, ta tombe là. Deux jours plus tard, ils vont casser la tombe pour enlever les habits. Alléluia, quelqu'un d'autre a apporté ça. Et pourquoi tu as souffert pour tout ça? Mais il y a à dire, appelle ça vanité de vanité. Mais alors, on est bien fort. Tout ta vanité, c'est une fois. Tes biens que tu penses à faire, c'est pour toi seul. Et tu vas mourir, tu vas laisser. En coup de dodo. Tu vas mourir, tu vas laisser. En coup de dodo. Ta voiture qu'on ne peut pas toucher. Au monde de même. Oh, tu sens, tu cries, tu frappes. Un jour arrivera. À Zalo Pouawa. Tu ne peux pas te lever. Cette fois, tu ne vas pas te méconnaître. À mon tour, à tour là. Et celui que tu frappes tous les jours là. Bon, mais on voulait bien. C'est lui qui va conduire ça. Ben, il y a un commentaire. Bien-aimé. Oui, tu es le seul vécu du commun la culture de l'amour dans son église. Oh, non, tu es comme une de au moins. C'est la culture de l'amour de l'église. Il y a moins de combat spirituel. Un homme, moi, il dit, oh, à vous, les portes, ma tête. Comment cela a délivré? Et maintenant, mon tour, t'es. Comment c'est la clé de la délivrance? Et maintenant, mon. Fais ne faire rien, c'est l'amour. C'est la communion fraternelle. Oh, moi, il dit, pas ou non. Vous avez moi, je n'ai pas lu dans la parole de Dieu que dans l'équipe primitive, les désorientés faisaient un combat spirituel. On peut délivrer des choses dans la société dans l'église. Non. Alors tout le monde était venu. Parce qu'il y avait l'amour, tout le monde était venu. Tout le monde avait l'esprit de grâce. Mais il y a plus tard, tu as mieux temps. La Bible dit qu'il y a une grande grâce qui les couvre. Mais il y a un peu, tu as mieux temps. Oui. S'il y a l'amour là. On y tient. S'il y a l'amour là, on y tient. Je vous assure, aucun esprit de ça ne peut être en vie. Oh, non, ça ne peut pas. L'amour, c'est la face. Oh, oui, oui, l'amour, c'est Dieu lui-même. Oui, moi aussi, je vais faire quoi. Pour la pitié, ne rendez pas le mal pour le mal. Mais ne haïssez pas vos ennemis. Oh, mais parce que la haine est plus faible que l'amour. Alors, ta femme, il y a un gars, oui. La haine, c'est plus faible que l'amour. Si toi tu te mets encore en haine, tu dois le rendre à forcer. Bah, abonné, ne fais pas ça. Abonné. Même si on est en Christ, là, je dois lui faire ça. Tu dois lui tisser ton temps. Ah, je dois lui dire pour que je sois libéré. Ah, non, pendant que tu es mon tour, tu es. Bien aimé. La Bible dit que tu as pour le diable. Mais ok, Adam, il tord le diable. Et le diable a dit à vaincre. Dieu, tu te dis, c'est pourquoi nous devons manifester l'amour. Et là, je suis venu en dehors, il y a. On m'a dit que mon papa, ma tante, ce sont des sorciers. Et là, c'est eux qui sont dans ma vie. Quand on a prié pour moi, c'est eux qui sont manifestés. Et en même temps, je dis, c'est fini. Je ne peux jamais les saluer. Je ne peux jamais manger ce jeu. Et que tu as reçu la semence de la haine en toi. Quand il a la haine plus grande que toi, il va te faire. La haine de la société n'est pas ta haine. Quand tu peux parler combat le sorcier avec la haine. Tu peux parler combat le sorcier avec le mal. Tu as tu dois lui donner le pied. Tu dois le recevoir. La Bible dit que ceux qui font ces choses, ceux qui reçoivent les ennemis. C'est comme si tes peaux de sabot attendent sur la tête. Elle a que aisé et n'y a qu'à le tailler. C'est ça. Ouais. Tu as qu'à jouer, tu vas jouer. Je ne peux jamais saluer. Je ne peux jamais voir ma tête. Parce que m'a dit qu'il a ce qu'un sorcier. Mon frère. Ma soeur. Dominique. Tu as l'erreur. Tu es à l'eau. Celui qui t'a mis ça dans ton cœur, c'est un diable. Mais il est un diable. Et c'est le même diable qui est encore en aide là-bas. Un diable, quoi. Donc, on fait des frères là-bas. Mais il y a une vite, si quelqu'un me comprend, mais mon ami, bon, elle fait la maison, tu as fait la paix.
Vous allez chercher ta tante là. On a traité que toi tu as traité de sorcière. Même bien reconnu sorcière. Tu vas la voir. Aïe moi. Tu vas te faire la paix avec toi. Ne prouvez rien à personne. Si ce n'est pour vous aimer, les autres. Recherchez la paix avec tous. C'est à ça que le monde reconnaît que vous êtes disciples de Jésus. Anyway, c'est à ça que vous dites ah, vous êtes vraiment à l'église, Jésus revient. Ah, Jésus revient nous go. Jésus revient, on aime vraiment. Ah, je soutiens. Jésus est quoi d'ailleurs? Oui, nous t'en. Mais Jésus revient qu'on a là. Mais c'est l'église à pas à pas. L'église où on va te mettre quelque part, tout est ta bouche. Ah, allez, je finis. Personne ne te regarde. On est maintenant, regarde, c'est le premier jour, on va te sourire. Ah, tu t'es on va te saluer. Après, c'est fini. Aïe, allez, bon. C'est l'église que le Seigneur veut chercher. Après, dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ça veut dire que l'église de la dernière heure, de la fin des temps, cette gloire que cette église va caractériser va dépasser celle de l'église chrétienne. Ah, dans l'équipe primitive, la Bible dit qu'il fait 6 feux de bière tous les jours. Les gens étaient tellement liés, on peut les persécuter. Mais est-ce que c'est possible encore? Est-ce que la communauté fraternelle est encore possible? On regarde tout ce qui se passe avec les divisions dans les églises. Moi, je suis de temps. Il reste de ceci. Ah, moi, je préfère le passage Jérémie. Ah, oui, moi, le passage Jérémie. Ah, quand il parle, moi, je vais l'écouter. Ah, non, c'est plutôt Tonton Mathias. Ah, non, moi, je n'ai pas l'autre. Ah, oui, moi, Mélio. Est-ce que la communauté fraternelle? Est-ce que c'est la communauté fraternelle? Tous ceux qui font ces choses-là. En fait, c'est l'esprit du diable qui l'a fait. C'est l'esprit de division. Oh, dans l'église, il peut avoir des divisions. Mais le corps n'est pas divisé. Est-ce que le prêtre a pas? Est-ce que le prêtre a pas? Mais c'est comme ça que l'église se présente aujourd'hui. Moi, à côté de l'église. Bien aimé, nous devons rechercher la commune. On a perdu dans l'église. Est-ce que nous prenons la communion fraternelle? Oui, on peut apprendre à partager. Esaïe 50, verset 6-7. Nous devons apprendre à partager. La communion fraternelle, c'est aussi le partage. Et pour nous, nous c'est le partage. Isaïe 50, verset 6-7. Isaïe 50, verset 6-7. Voici le jeu auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. De nous les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans exil. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. On dit, partage ton pain avec celui qui a fait. Amen. Peut-être pas, mais le gouvernement tout à l'heure. Oui, tu veux savoir comment les frères vivent à la maison. Mais tu veux les rendre visite. Non, c'est quoi pour la réalité. Non. Alors, quand je vois l'équipe de la suite, danser les tout en joie. Oui, d'abord. Quand tu vois quand on est quand d'aller chez nous, on est content en mal. Mais il fait l'effort de se présenter. Mais on te voit bien. Est-ce que ça, c'est la communauté fraternelle? Il y a quoi une nouvelle manière? Si on ne se visite pas dans la maison, si on ne touche pas de toi les problèmes des autres, c'est quoi apprendre le pouvoir? C'est que nous devons apprendre à nous visiter. Mais nous apprendre à toucher de toi les réalités que les autres souffrent. C'est le partage. Mais moi, nous devons apprendre à partager. Mais nous apprendre à partager. Dit que nous devons délier les liens. Vous avez bien tout les personnes que tu as gagnées dans ton cœur dans l'église. On y entend des angels, amen. Tu es comme une carie pour l'église. Tu es comme une partout. Tu es comme un danger pour l'église. Tu es comme le représentant du diable dans l'église. Dans les gens dans ton cœur. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'on va commencer la télévision avec eux, mais il y a des gens qui ont de la haine. Les esprits de famille sont encore là. Vous ne pouvez pas être dans cette église là. Vous m'avez dit, avec le même problème, c'est pas possible. Pour, il y a quelque chose dit, okay. Dans votre cœur. Bah, vous n'avez pas encore détaché. Tant que vous ne détachez pas, vous ne pouvez pas avoir la libération. Mais, c'est
C'est pas possible. Hébreux chapitre 10 verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Hébreux 12 verset 15, voilà. Hébreux 12 verset 15. Hébreux 12 verset 15, suivez bien. Hébreux 12 verset 15. Hébreux chapitre 12 verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'une racine d'amertume poussant les rejetons le produise du tout et que plusieurs n'en soient infectés. Il faut bien lire ça pour ressortir vraiment. Annie, il y a des mots ici. Mon vivant. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Mais où est-ce que tu m'as qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être privé de la grâce de Dieu? C'est ça la Bible de Dieu ici. Et nous la Bible de Dieu. À ce qu'il a confié la racine d'amertume, poussant des rejetons, le produit du trouble. Le produit du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être déchus de la grâce de Dieu dans l'assemblée? C'est la mère du Dieu. C'est la mère du Dieu. C'est la mère du Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas, même pas une seule racine d'amertume. Parce que l'amertume crée quoi? Des troubles. Et que quoi? Que plusieurs ne soient pas infectés. Okay. Ça, la l'amertume est comme de l'infection. Alléluia. Alléluia. L'amertume est comme de l'infection. C'est-à-dire que lorsque ton cœur est rempli d'amertume dans le peuple, c'est que tu as infecté les personnes. Et quand tu le regardes les fromages abattus, à moi, tu te mets en pleine même. C'est-à-dire que son état même te pousse à être comme lui.
Chacun le gars remplit ta main, tu vois, il se fait un coco, ça ronge, et ça roule, et ça tue, et on vous met le roumain. Moi, je connais les gens qui sont morts dans la main. Ah, mais tout, mais c'est pas un coup, ils vont attendre. Allez en Europe, voyez comment les gens se suicident. Un millier, et on se met le roumain. Il va prendre une arme, il va te tirer. T'es là, tout le monde t'entend. À cause de la main, tellement on l'a déçu, mais là, il y a eu. Pour lui, c'est que le monde est fini. Il y a toujours un peu de fond d'espoir, tout est droit de nous. Nous connaissons rien, nous connaissons Matima. C'est ce que la vertu fait. La vertu rend aveugle. La vertu est en prison. Et nous sommes en prison. Qu'il n'y ait pas de la vertu dans la maison de Dieu. Et nous, quand on Matima a Kumelo, enlevez toutes les racines d'amertu dans la maison de Dieu. Dans la bisection, c'est important. Sinon, si vous laissez la vertu, le peuple sera infecté. Et nous serons toujours dans le combat. Vous avez vu comment le matin tout le monde est comme ça. C'est pour ça que voilà, montre vraiment qu'il y a une atmosphère d'amertume. C'est que les gens, la situation non résolue. Tout ça, on fait sauter. Et le but de l'église, c'est de soyer. L'église est comme un hôpital. On envoie tous les malades. Tous les malades sont virales à l'église. À autour d'un peu à commun. Et l'église les soigne. Bon, à Gouman, tout le monde. C'est le rôle de l'église. À Gouman, l'église doit jouer ce rôle. À Gouman, c'est pour ça que tu dis que dans l'église primitive, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Regardez ce monsieur. Mais quoi, que Pierre et Jean croisaient à la porte du temple. Mais comment est-ce que vous êtes là? Vous êtes là, vous êtes là. Acte 3. C'est la démonstration de la communion fraternelle qui crée ça. Acte 3. À part du premier verset. Acte 3, chapitre 3. Pour vous montrer un peu la démonstration de la communion fraternelle. Avant de tout, nous sommes via communion. On invite nos villes à tomber. Acte chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et ils les regardaient attentivement, s'attendaient à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Vous avez vu cet homme? Si jamais le Saint-Esprit ne l'avait pas guéri, ce qui est écrit dans Acte 4, verset 34, on va dire ça. Acte chapitre 4, verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les portaient. Il n'y avait aucun indigent. Aucun malade. Aucun peuple. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, les malades n'entrent pas dans le temple. Les malades ne rentrent pas, les personnes qui ont des défauts. Dans la maison de Dieu. Mais c'est pas que tu c'est pas la déposition de ciel au bord du temple. Tu ne pas entrer. Mais quand la grâce te fait entrer. Alléluia. Alléluia. C'est ça la réalité de la communion fraternelle. Si vous voyez la communion fraternelle, okay. Non, il n'y aura aucun malade. Les gens avaient les malades de droite dans l'église. C'est ça. Ouais. Personne ne sera malade dans l'église. Mais dis-moi,
Moi, je n'ai pas vu que les apôtres sont tombés malades, les dix sont tombés malades. Mais ma mère, elle a fait un apôtre et elle a dit, c'est encore, je n'ai pas encore trouvé. Maman, qui a peut-être quelqu'un a trouvé. Et moi, mais moi, voilà, je n'ai pas encore trouvé. Et moi, moi. Et je ne pense pas trouver. Et moi, ensuite, maman. Ah, Jésus, il faut la raison. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Allez, on fait la bonne gloire. Est-ce que le message te fait du cœur? Est-ce qu'on voit le reconnaître? Lorsque nous parlons de communion fraternelle, lorsque on dit aime-moi les uns les autres, si j'aime mon frère et que je vois mon frère lui, que le Seigneur te protège. Que le Seigneur te soutienne. Est-ce que j'aime mon frère? Est-ce que j'aime mon frère? L'amour que je manifeste doit être un amour en acte. Et l'amour en communauté, l'amour entre les frères doit être un amour avec des actes. C'est pas amour dans la bouche. Ceux qui manifestent l'amour dans la bouche, mais vous n'aimez pas vos frères. Vous n'aimez pas vos soeurs. L'amour doit donner ta peau des actes. C'est comme l'un des fruits même de la foi. L'un des fruits de la foi. Si j'ai foi, ça veut dire que j'ai l'amour. Et ma foi est une foi vivante. Si Dieu pouvait dire, bon, j'aime le monde, j'aime les enfants, je vous aime, il ne sait pas l'évoluer. Même en fait, c'est l'amour de bouche. C'est ça l'école, on va dire, amour théorique. Amour de l'enfant. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Allez, on peut acclamer le Seigneur.1 Jean 3, verset 16 à 19. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Alléluia, c'est là en soi que nous sommes dans la vérité. Si ton frère vient vers toi et dit, ah mon frère, vraiment je n'ai rien à manger. C'est que tu as plus que lui. Et si elle vient vers toi, il te parle comme ça. Il faut savoir que c'est l'esprit de Dieu qui l'a poussé vers toi. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Dans la semaine spirituelle. Ça paraît encore même un mystère. Juste que je n'arrive pas à comprendre. C'était le mercredi du jour. Dans la semaine spirituelle, et mercredi. Quand on avait fini, nous on est encore resté à l'église là, on a prié pour deux personnes. Et quand j'entrais, j'avais ouvert le portail. Il y avait un monsieur qui marchait dans l'avant. Il m'interpellait. En même temps, je savais ce qu'il voulait. Je l'ai fixé dans les yeux. Il me dit qu'il veut aller à Cocotomène. Et qu'il a besoin de l'argent pour manger. Il dit, mais tu vas aller à Cocotomène, mais comment se fait-il que tu retournes dans ma voie ici? Si j'étais croisé au bord du couteau, moi j'allais comprendre la logique. Donc je me suis dit, d'accord, dans mon cœur, je vais faire quelque chose. Et j'ai dit que je vais garer la moto et revenir. Échanger avec toi. Et avant que je ne revienne,
Le monsieur a disparu de la mort. Il a disparu. J'ai pris la moto. Je ne cherchais pas tout la nuit. J'ai pas tout dit, mais c'est quoi? J'ai pris la moto. Il a disparu. Quel est ce mystère? Parce que je disais que j'allais le faire manger. Il y avait un restaurant à côté de chez moi. Il avait un peu de sommeil. Il m'avait dit qu'il avait à manger. C'est ce que j'allais amener. Sorti, dit, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire-là? Et cela, je me rappelle de l'histoire d'Abraham. Moi, fri, Abraham, si, tant. Et les anges qui étaient venus. Pour Angel de Wayako. C'était un peu encore. Et c'est Akbasa. Mais c'était des anges. Mais Angel de Way. C'est comme ça que le Seigneur aussi envoie des personnes comme ça. Moi, il y a quoi? C'est ton show. Ben, là, c'est-à-dire qu'il va t'amener même à te mettre en colère contre eux. Et non, à quel point la route de Dieu en toi. Ça m'a enseigné. Donc je pouvais réagir directement, mais moi je voulais le prendre pour acheter parce que je n'ai jamais l'habitude de saisir. Si je croise quelqu'un, tu me dis, donne-moi de l'argent. Je fais manger la personne. Tu veux manger quoi? Je te sers à manger, tu manges quoi? Il est rassasié, il est content. Lorsqu'il est content, il est dans la joie. Cette joie représente sur ta vie. C'est pour nous faire beaucoup attention. C'est pour nous les petits devant nous. Même ton frère, il va prendre la porte d'un ange. Dis mon frère, je veux que tu m'aides. C'est la dernière pièce, le dernier pied qui est avec toi. Et ça, tu as fait ton calcul. Tu as fait comme la veuve de Sarepta. Marchez pas l'esprit. Mais disons-le bon quoi d'aller. Marchez dans l'amour de Christ. Mais disons-le, moi aussi, moi, même. C'est comme ça, le Seigneur s'est envoyé. Et moi, à cause de sa bénédiction dans nos vies. Et nous, c'est ton amour, par exemple, toi-même. Et nous, attends. Tu peux, Seigneur, ton mari. Alors, ton mari, femme. Maintenant, le Seigneur t'a donné petit exemple. À quoi on a il va envoyer notre possession au chemin. Et dans cette même année, il te dit Alléluia. Alléluia. Pour voir si tu es capable de supporter Marie. Voilà pour le peu, Asie. Ou bien envoyer une chose devant ton chemin. Elle enseigne une réalité. Pour voir à quel point tu es capable de supporter une femme. Mais la bonne idée, Asie, mon niveau ne cherche pas. Il faut comprendre les bienfaits de l'amour. Donc si tu aimes, tu dois poser des actes. Si tu es bon frère, alors manifeste des actes. La communion, c'est le don de soi. C'est-à-dire l'offrande personnelle de sa vie. Nous pouvons voir cet exemple palpable de Philippiens 2, le verset 5 à 8. On ne va pas lire ça, vous allez penser pour vous-même. Il a dit ça à la maison. La communion fraternelle, lorsqu'il y a la communion fraternelle, vous sentez la joie de vivre dans l'église. Vous sentez la joie de vivre dans l'église. Vous êtes à l'aise, vous êtes heureux. Si tu ne retournes pas la famille, tu n'es pas allé. Tu montes à ma famille, je n'ai pas. C'est pour le Seigneur qui détache des familles du monde. Et vous avez à quoi votre mission à être attaché à cette nouvelle famille. Mais à cette nouvelle famille, vous avez à combien? Qui est content d'être apporté à cette famille? Mais là, il y a un motif à vous voter. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Merci beaucoup à vous, Jésus. Comment peut-on savoir s'il y a une communion fraternelle dans une nation? Mais dis tout un peu, pas une communauté. Quels sont les signes qui attestent vraiment dans cette communauté à la communion fraternelle? Il y a longtemps qu'il y a un peu. Il y a vraiment l'amour de Christ. On va y dire un peu. Pour savoir s'il y a la communion fraternelle, voilà quelques indices. Il y a ce qu'on appelle l'encouragement mutuel. On s'encourage. On se fortifie. Alléluia.
Alléluia. Parce que les éléments sont fructifiés. Ça, c'est le signe qui a la communion, frère. Rappelez-vous, 5 verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Amen. Comme vous le faites, mais est-ce que vous le faites ici? Parce que nous, on ne le fait pas encore. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité. Mais ça, futur, parce que là, on ne peut pas encore. Futur. Comme en réalité, ce que nous ferons. Amen. Comme en réalité, ce que nous ferons. Dans la tête, tout le monde est sorti. Tu ne vois pas, elle est sortie. Mais c'est pas encouragé. Mais dans quoi, blanc, on peut quand même m'aider là. Quand tu vois le feu, encouragé. Néanmoins, on peut quand même m'aider là. C'est ce que le Seigneur fait. Ah, la nuit, on peut quand même m'aider. Pour que ça soit précédé. Aïe, nous, quoi, le gars. Ça, la coupe, c'est le si. Moi, ouais, la coupe. Ah, nettoie, y'a là. Quand je vois le temps de tomber, je me relève. Ah, non, mais là, il tient. La fois, c'est si. Moi, ouais. Je ne veux pas me réjouir de sa suite. Je ne veux pas me réjouir de cette faiblesse. Pour savoir s'il y a la communion fraternelle dans une assemblée, ne venant tout le monde au moyen de au milieu de toi avoir le pardon ou la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde qui peut le dire qui est en total miséricorde. Qui va m'expliquer ce qu'on ne peut pas miséricorde? Mais dis dans nous-mêmes. Personne ne peut se faire miséricorde. Marc, n'est miséricorde. Ouais, les blancs. Bien, le peuple a décidé de pas parler. On ne parle pas pour te voir ici. Je veux voir l'église vivante. La miséricorde, elle est blanche. C'est quoi la miséricorde? Éteignez les blancs. Parce qu'il y a une miséricorde et pardon. Après, les blancs pour ton amour. La miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Éteignez les blancs. La miséricorde. Oui. Le frère. Non, le frère n'a pas tout parlé. Je veux que je ne me dis pas. La miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Éteignez les blancs. La pitié et la compassion. La pitié et la compassion. C'est pas fini. La pitié et la compassion. Ça continue. C'est pas une chose. Je disais de pas que la miséricorde n'est pas le pardon. La pitié ou la compassion. Ça reste. Ça reste encore quelque chose à ajouter. C'est pas faux. Ça reste quelque chose à ajouter. La pitié. Ou la compassion à pardonner. Alléluia. Alléluia. Donc on parle de miséricorde, dans les blancs, où on parle du pardon qu'on a accordé par plus bonté. Elle entend, tu as dit Dieu, mais le pardon que j'accorde à cause de la bonté de Dieu. Je prends plaisir à la miséricorde qu'on sacrifie. Parce que sa nature, c'est la bonté. C'est pourquoi chaque jour la Dieu est miséricordieux envers nous. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Je l'ai dit, frère. Quel est
Qu'est-ce qu'on t'a fait, ma soeur? Celui qui est plus fort, plus puissant, mais lorsqu'il est en condition de manifester sa force, parce qu'il est en position de frapper, et le pays de mais il l'a pas fait. Mais mon gros, c'est on lui a fait mal, tout le monde, on lui a fait vraiment mal. Et Blond a fait un temps. Mais tout, regardez le Seigneur Jésus-Christ. Regardez toute cette douleur qu'il a subie. Pendant la nuit jusqu'à au moment où il allait sur la croix. On l'a humilié partout. On a tissé son vêtement. On a craché sur lui. Et on va faire porter la croix maintenant. Il tombait et il reprenait. Jusqu'à la croix. On a crucifié. On a enfoncé des coups dans sa main. Si c'était toi. Même la première chose qu'on va dire, moi, jamais. On ne suit pas. C'est là, va-t-on le triomphe. Amen. Peut-être le karaté, la va sortir. Oui, c'est ça. Jésus, il l'a pas fait. Il avait le pouvoir de le faire, oui ou non? Il avait le pouvoir de le faire, non? Mais il n'a pas fait. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a pardonné. Et toi, non? Mais dans l'extrême souffrance, dans l'extrême douleur, en fait, c'est dans Romain. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a fait, tu ne peux pas pardonner. Quelle est cette offense? Et tu ne peux pas pardonner. C'est quoi la chose? Et tu es mort. Mon frère, c'est quoi la chose? Vous êtes un noir. Ma soeur, c'est quoi? Était un noir. Quel est ce problème? Quelle est cette offense? Était une testation de l'un. Que tu ne peux pas pardonner. Mais ma gagne. Si nous ne pardonnons pas, mais ma gagne. Les portes de ceux sont fermées sur nous. Les portes de ceux. Le pardon est très très capital. Oh, tu vois, et c'est pas la. Lorsqu'on se pardonne facilement, ça montre vraiment qu'il y a la communion fraternelle. Même celui qu'on a blessé, même tu demandes encore pardon. Mais je vais blesser un million de dollars. Il va t'asseoir dans le coin du nom. Un capitaine de demander pardon d'abord. Ce sont ceux qu'on appelle les chiens qu'on appelle dehors. Ceux qui ne pardonnent pas, mais mon Dieu là, ce sont les chiens que tu vas mettre dehors. Tu peux aller en bête, il faut t'amuser. Mais là, tu as tes raisons. Je ferai le jugement dans ma pécherie. Et dans le je mettrai le à gauche. Dans le lait, au bol. Je mettrai à gauche les boucs. Dans le lait, au bol poulet. Et je mettrai à droite mes bébés. Dans le lait, il restera avec moi. Et là, non, pas pour un coup. Le Seigneur va faire le tri. Il va faire le tri. Elle tient. Il va faire le tri. Elle tient. Mais ce qu'elle va trier, elle tient. Est-ce que tu peux rester encore dedans? Elle est un petit coup de mer. Est-ce que tu peux encore rester dedans? Elle est un petit coup de mer. Mais vous dites, le pardon est essentiel. Donnez-moi, je vais apprendre à pardonner. C'est pas seulement l'église. Partout. Pas à la maison. Pour les enfants. Nous devons apprendre à les pardonner. Parce que si vous ne savez pas le pardon aux enfants, les enfants vont grandir avec votre méchanceté. Parce que les enfants ressemblent à leurs parents. Les enfants sont le résultat de l'éducation que vous leur donnez. Vous voulez à quoi ne me n'aille du plomb ou à la doya. Vous lancez la colère. Apprenez à pardonner vos enfants. Mais pas femme, pardonne ton mari.
Où on respecte les différences. Ainsi, nous sommes courtois.
Les meufs, on parle avec respect à mon frère. Je parle avec respect à ma soeur. Je ne parle pas avec arrogance. Je ne parle pas avec insolence. Je ne parle pas avec mépris. Je parle avec douceur. Je parle avec amour. Mais quand il y a ces choses, le Saint-Esprit est obligé d'être là. C'est une obligation. C'est son devoir. D'être là. Il doit être là. Parce que c'est lui-même. Et son papa. On doit être pour toi. Mais l'antifère ferme. Pour toi, t'as les rapports. Si c'est pas le niveau de la même. Même si tu es grand, même si tu es géant là. Même si tu es arrivé à la fin de soi pour toi. C'est parce que tu es serviteur. C'est parce que tu es femme, tu es ceci. Non, que tu as parlé avec le soir, des hommes, non. La Bible dit que nous sommes des serviteurs. On va entendre comme il m'a entendu. Et que celui qui veut se croire grand. Bah maintenant, d'accord. Fasse comment? Se fasse petit et serve les autres. Alors, c'est du bruit. Si tu veux te faire beaucoup, alors mets-toi à la dernière place. Né à 10 minutes, c'est Yigudo. Titan 3, verset 2. Titan chapitre 3, verset 2. De ne me dire de personne d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Voilà. Donc, en fait, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, une femme. Vous savez, le modèle que nous devons être là, mais tout, on ne va pas dire les millions, c'est pas le modèle. Eh bien, c'est la communauté à l'église. Mais la communauté fraternelle à l'église. Le monde va témoigner. C'est là où on est le seul, la lumière du monde. Parce qu'en société, au marché, je suis pour toi. Je parle avec les clients. Là, c'est toi, ceux qui vont dans les quartiers. Tu dis arrogant. Avant de voir. C'est pas ça. Pas parti. C'est des gars, des chrétiens comme ça. Chrétiens, ils sont là. Amen. Comme de bon, le Seigneur va être client de toi. À cause de ces clients-là, il faut qu'il les repousse. Bah, on y a eu. Dans l'entreprise, nous travaillons. Donc, frère, c'est vrai, nous attendons. Nous devons être ce genre de modèle. Ah, mais j'ai eu. Bah, ne fais pas ce qu'il y a. Ah, si j'ai mal fait, je m'excuse. Merci. J'ai fait la paix en même temps. Après, je fais comme un peu. C'est là, je suis la lumière du monde. Moi, on a eu environ. Parce que le monde n'a pas de repère. Le monde n'a pas de modèle. Le monde s'écarte. Mais qui va sauver le monde? Mais c'est nous. Sauver le monde, pas forcément les prêcher Jésus, non. Sauver le monde, c'est montrer Christ. C'est ça, sauver le monde. C'est ça, sauver les gens de notre monde. Dans mon quartier, tu es un peu de bouteille. Il y a des gens dans les quartiers, ça ne lui met pas. Mais là, il dit au quartier, mais dans deux points, ouais. Il n'arrive pas à éponger dans les quartiers. Il n'arrive pas à éponger dans les quartiers. Parce que le voisin ne passe à lui. Mais attends, il n'a pas peur de Jésus, il n'a pas peur. Alors, quand Jésus, on a dit, on est là. Mais dans Jésus, on a dit, Jésus n'a pas peur à lui. Jésus, tu m'as pris dans deux points, parce qu'il doit. Il doit avoir peur de Jésus. Regarde, Jésus, nous sommes les mauvais exemples. Mais à cause de nos comportements, le monde passe vers le nom de Jésus. Ah, mais tu te dis, on te voit sanctifier tout. Et là, voilà, tu as les comportements. Mais à deux, tu as les comportements d'un petit païen même. À deux, c'est toi qui vas parler, sinon les temps sont finis. À quoi tu vas t'arranger? À visiter le nom de Jésus. D'abord toi. Mais on ne sait pas quoi. Ouais. La première personne à arranger sa vie, c'est toi. Mais tu t'en as un peu, mais attends, ouais. De Dieu. T'as pas mal, t'as. T'as pas l'air grave. Ah, c'est quoi, maillot? L'église est malade. À Gouan, elle a tout dit. L'église de Christ est malade. À Gouan, elle a tout dit. Malade, gravement malade. L'église est agonisante. L'église est grave à la mort. Elle est passée à Gouan. Nous réveiller. Mais de la fatité. Réveillons-nous dans la vertu. Mais de la fatité. Lorsqu'il y a la communion fraternelle, au point où nous voulons me dire, il y a ce qu'on appelle la confidentialité. Et il y a la discrétion.
Mon frère a une situation grave, il m'a parlé. Je traite avec moi. Je ne vais pas le raconter à d'autres. C'est quand même bon. Il y a plein de cas comme ça. Moi, je vais poser mon problème. Je vais tout le temps. Mais j'ai une situation, une faiblesse. Je tiens à dire mon frère, prie avec moi. Donc, tout le monde est au courant. Vous pouvez vous dire quoi encore, monsieur Montola. Voilà, où est la commune de Fabien? On fait quoi dans le village métier? C'est la division. Mais ma ouais. On doit apprendre à être discret. Oh, mais dans la pomme là, non. C'est important. La loi de la de silence est capitale. On sait au bain de temps. Proverbe 16, verset 18, verset 28. Proverbe 16, verset 28. Proverbe chapitre 16, verset 28. L'homme pervers incite des querelles et le rapporteur divise des amis. Mmh. Voilà, celui qui rapporte, c'est lui qui divise l'église. On mélange dans toute l'église là. Mais tant que ça ne dit pas la chose là. Ah, la bouche n'a pas tranquille. Ah, on a un aimant de roi. Et toi, tu sais, forcément, tu es dans notre temps. Même si l'on ne veut pas entendre là. Il faut tout faire pour qu'il en parle. Et là, le caca avance. C'est comme il y a l'onction de papa, tout sur toi. Mais tu l'as mis ici, ça. Et quand l'onction te prend là, si tu ne rapportes pas, on va dire, et moi, il se voit. Et moi, là, je dois dire ça. Et dans la mienne, dis ça. Dis ça. C'est grave, c'est grave. Tu ne peux pas dire, tu dois dire ça. Nous l'entendons. La vie dit. Il veut dire que tu fais là. Ne blague pas. Qui rapporte là. Oui, il doit me diviser. Oui, à Kouma, ouais. C'est toi qui veux diviser l'église. Ouais, à Kouma, ouais. Et tu vas rendre compte. Maintenant, tu sois. Attends. Je sais même voir des enfants, ces enfants unis. C'est quand il regarde, il voit les cœurs sont les mêmes. Il voit les cœurs sont simples. Il n'y a pas de tourment, il n'y a pas de problème. C'est dans les cœurs. Les mêmes démons à qui les mêmes. Les mêmes démons. Les cœurs sont purs. Aïe, 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 c'est ça. Bon, ouais. C'est ce que c'est de voir. Eh ouais, dynamo. Quand il y a cette œuvre, tous les jours, on voit l'effusion du Saint-Esprit. Dynamo. C'est pas la loi de Dieu. Bon, pour le Saint-Esprit, va vous bénir. Mais là, mon œuvre, pour la parole, va vous révéler des choses. Elle a fait sur vie. Il y a ceci, cela, fais attention. Fais ceci. Et quand tu n'es pas obéissant, n'est pas capable de laisser. Comme l'enfant n'est pas obéissant, quand je dis que tu ne peux pas mettre le plat dans le feu, il pense que c'est moi qui suis le plus con. Mais quand il y a un corps, il tient les chaînes à cet homme qui. Il va se prendre tous les doigts de sa mère. Il va comprendre qu'on n'aura pas les doigts dans le feu. Et là, tu as dit que le Seigneur n'est pas cela, n'est pas ces choses de nous. Il va vraiment revenir à lui. Et dis-moi, il est mon cœur. La vraie vie. Oh, Père d'Agbé, je suis dans l'église. Père Agbé, attends 5, je m'appelle à la fin déjà. Attends 5. Nous allons lire cette partie-là. Attends 4, verset 32 d'abord. 32 à 35. Attends chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Lui ne disait que ses biens lui appartient en propre, mais tous étaient communs en eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des biens, des champs ou des maisons, les vendeurs apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et ils le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Amen. Vous avez vu la multitude de ceux qui avaient cru, ils ont médié le cœur et qu'une âme. N'était que cœur et qu'une âme. Amen. Nous sommes unis. Et tu le vois comment les gens voient que c'est le même cœur qu'on voit. Les mêmes choses, les mêmes émotions. L'âme dégage les mêmes réactions. Et Ali, ton oiseau, à cause de Jésus, et c'est là le Seigneur fait quoi? Moi, à cause de toi, on fait l'église d'une grande grâce.
C'est la seule partie de la Bible où j'ai vu grande grâce. Grâce à ce Seigneur, pourquoi on a dit grande grâce? C'est quelle particularité là? C'est cette grande grâce là qui faisait des miracles. Qui se faisait des mains des apôtres, des miracles. Il est besoin de la joie. On dit le Saint-Esprit a resté quelqu'un ici. Des personnes de l'autre côté, tout le monde est dans la joie. On ne fait que vous le Seigneur. On ne fait que vous le Seigneur. Qu'est-ce que les gens font déjà apporter les biens? Comment on dit d'abriter là-bas? Ceux qui vendent marché apportaient le commerce. Mais on s'arrange de l'église. Et pendant l'église. Et pendant l'église. Ceux qui avaient des entreprises. Ceux qui avaient des champs. Ils ont voulu vendre et apporter. Mais nous, on s'en va mon père. Dans l'église. Là, il met. Et à combien? Au prix des apôtres. L'église était riche. Il y avait de la nourriture en abondance. C'est là même l'accomplissement de Malachie 3 est manifesté. Apporter les trésors de Dieu, mais nous tirons aux offrandes pour qu'il y ait de la nourriture en abondance. C'est nous aussi. Certains hérétiques vont dire que les apôtres n'ont pas peur de type. Ne pas faire des enfants. Si vous voulez, c'est qui écrit là? Ça dépasse tout même. Les mots qui arrivent à ça dépasse tout. Et c'est là que c'est où? Ça dépasse tout. Et c'est là que il y avait un apôtre de la maison de Dieu parce qu'ils en apportaient. Ils ne sont pas le mari, si vous voulez. C'était un petit temps, Dieu. Ils connaissaient ça. Il est tourné. Combien de personnes sont fidèles dans les dîmes? Mais bien, on peut faire les dîmes. Vous savez que la dîme, c'est pas pour vous. Mais tu sais que le dîme, vous savez ça. Est-ce que vous savez ça? Mais toi. Est-ce que quelqu'un sait ça? Mais quoi te dire? Ton salaire que tu prends là. Ah, et salaire derrière moi. Tout n'est pas pour toi. Mais c'est ma intelligence. Je montre tout le monde pour dire combien de fois nous sommes des voleurs. Et bien, et quand tu es juste, on va tout rendre avant d'entrer au ciel. Mais attends, il y a mis deux, mais attends, il y a mes billets à ton temps. Bon. Le salaire même que tu as pris là. Salaire derrière moi. Tu as pris le salaire net. Ou bien? Ah, il salaire oublié. C'est ça non? Parce qu'on n'a enlevé pas. L'impôt. L'impôt qui a enlevé l'impôt. Mais il y a un impôt. C'est qui? C'est l'État. Arrangez-vous. C'est forcé. C'est forcé d'enlever de payer l'impôt sur le salaire. Forcé, il y a un tout. C'est forcé. C'est forcé, monsieur. Forcé, il y a. Le problème est forcé. Impôt est forcé, il y a. C'est forcé. C'est forcé, mon frère. Et si tu ne peux pas le porter, qu'est-ce qui va arriver? On est mal, on a tout un peu interdit. Qu'est-ce qui va arriver? Le frère m'a dit que ça s'enlève à la source. C'est-à-dire que avant que le salaire ne vienne à terme, l'État a déjà enlevé. Est-ce que l'État a fait quelque chose dans ton travail? C'est l'État qui t'a réveillé tous les matins. C'est l'État qui te donne la santé. C'est qui te protège. Mais l'État a dit non. Moi, j'ai fait que je suis au moins l'État a donné la voix. Alléluia. L'État a participé, l'État a pris sa part. Avant que l'État ne parle, Dieu a déjà parlé depuis. Donc, ce que tu reçois là, il y a la part de Dieu dedans. Moi aussi, moi ton demain. Pour Dieu est dedans, comme pour l'État est dedans sous forme de peuple. Pour Dieu aussi est dedans. Moi aussi, ton demain. Celui qui paie la dîme ne fait rien d'extraordinaire. Mais la dîme n'a rien à voir avec le bonheur. On ne peut pas dire pas de pays. Je vous expliquerai pour que vous compreniez ça. On ne peut pas la dire pour être béni. C'est le sens, la part de l'autre. Donc je vous remets. Est-ce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire? C'est sa part dans ce que j'ai reçu. Quand j'ai payé le prêt, est-ce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire à l'État? J'ai accompli mon devoir. Et si je ne paie pas mon impôt, ne m'en suis plus les entreprises. On vient fermer l'entreprise. Ou bien, et là, on m'en soit à Zombouine. On vient fermer, non? Et là, on m'en soit à Zombouine. Connaît ce que j'ai dit. Il y a un moment qui ne paie pas l'impôt, il faut payer l'impôt. Mais on joue un peu la mission impôt. À ça, dans ton pays, comment on paie les impôts aussi à l'État? C'est le premier accord, mais on joue un peu l'impôt. La dîme. La dîme. Si tu reçois ton salaire, ou tu reçois un revenu, si tu n'enlèves pas pour Dieu, c'est que tu vas exploser.
pour le salaire aux voleurs. Les voleurs spirituels. Et l'argent, tu vas gaspiller ça. Tu vas t'endetter chaque fois même. Il y a des gens que la dette là, mais c'est qu'ils ont comme vêtement. Mais dis-moi, ah, il veut dire à où? Moi j'appelle les endettés. Mais là, t'es à moi, t'es à moi. C'est pour ça qu'ils sont toujours en déménagement. C'est aussi les chrétiens. La dîme est capitale. La dîme est capitale. C'est la part de Dieu. Et Dieu dit que les voleurs ne tourneront pas au ciel. C'est pour Dieu. Tu peux voler tout le monde. Après, vous me l'avez dit, comme tu allais voler le président. Et bien, quand il a fini, le président t'a rendu. Ils sont attaqués, ils sont arrivés pour toi. Tu allais voler le président. A fini, le président t'a rendu. Ça, c'est le président. Tu allais voler. A fini. Hein? Et tu voles Dieu. A fini, ma où? Tu voles Dieu. Si tu ne rembourses pas, tu n'iras pas au ciel. Mais avant tout, avant ici, oui. Sois fidèle. Soyez fidèle dans ce sujet. Oh, mais Dieu, un métier, mon fils. Lorsque tu vas commencer par payer la dîme, il y a un petit sujet à dire. Parce que l'instabilité dans ta vie, ah, moi, putain, il n'a pas. Je protège en réalité la vie contre le dévoreur. Et là, parce que lui, il va toujours venir. Mais là, on si vous plantez dans vos champs, c'est vous qui gardez le champ. Mais dans notre gré, les oiseaux, tu peux manger, non? Ah, quand il est là, tu es j'ai capable d'envoyer la souterraine. Mal reparti ça. Bah, ça a été entièrement. À la fin, tu as dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il y a un faux bien, il y a un faux bien, ça a été bon. Tellement le temps calculé était très très juste. Calculé, non, c'est bien. Toujours juste. Et là, c'est la part de Dieu. C'est vrai, ce que je vous dis, c'est le Seigneur qui veut que j'insiste sur ça. Vous êtes frappé de malédiction. Vous êtes frappé d'échec dans vos vies. Parce que vous n'êtes pas fidèle. Parce que vous êtes des voleurs. Mais attends. Dans l'assemblée, il y a des voleurs. Regardez au temps des apôtres. La Bible dit que les gens voulaient tout ce qu'ils venaient d'apporter. Mais là, ça allait bien. Et ceux qui veulent jouer avec les apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mais on dit, mais on veut jouer pour apporter la colonne. Le chapitre 5 en a parlé. Ananias et sa fille. C'était bien. Vous avez lu l'histoire. Mais il y a comment on s'est déjà frappé. Alors qu'en réalité, c'est leur chose. Mais nous étant. C'est la pied. Nous étant. C'est la chose. C'est qui ont vendu. Et là, c'est à nous autant. Et comment le Seigneur les a frappés? C'est à quoi vous voyez? Ils ont caché. Ils ont apporté. Et je sais, oui. Toi aussi. Parce que tu parles pas de Dieu. En faisant ma route, on me dit, c'est oui. Il faut être régulé. Anne Sogolo, maintenant on peut avoir la protection de Dieu. Maintenant mon fils, alors mon père. Maintenant pour être béni, ça, il y a ce qu'on appelle les actions de grâce. Quand tu vas pousser, pas du tout. Pour être béni, il y a le temps que tu vas faire. Non, pour être non. Béni. Maintenant mon fils, vous voyez. Il y a les offrandes. Non. Et on se rend compte que, lorsque le peuple fait des actions, on se rend compte que les dîmes là, c'est ça qui dépasse les offrandes. Mais cette offrande, on va venir au monde, c'est que je pense sans francs. Étonnez. Alors, pourquoi répondre maintenant? Ceux qui ont trop donné, c'est sans francs. Mais il a dit à une conque, vous n'avez pas compris. Mais maman de la gagne. Vous n'avez pas compris. Maman de la gagne. Vous avez dit. Offrande. Mouna. Offrande. Mouna. Offrande. Mouna. Ça dépasse tout. Et vous gagnez, puis c'est. Ça te passe tout. Je vous dis la vérité. Non. En fait, c'est comme si vous êtes frappé de limitation en fait. C'est qu'il y a un esprit qui vous limite. Lorsque Dieu vous bénit, l'esprit vous limite. Dit non, fais ceci pour ne pas être béni. Vraiment, il y a un temps, mais on voit un temps, il y a un temps, regardez la maison de Dieu.
Regardez. On ne veut pas qu'il manque quelque chose. Tu ne veux pas qu'il manque quelque chose. Tu n'as pas vu qu'il manque quelque chose là. Ah, on va. Lorsque tu te préoccupes de la maison de Dieu, Dieu se préoccupe de ce qui te connaît. Il sait, il te connaît. Parce qu'il est en toi, il te connaît. Et toi, et toi, tu regardes papa. Et quand tu es dans le monde, des gens connaissent ça. Mais tout. Pas dit non, bon, c'est la prospérité. Non, la prospérité est là, c'est notre île. En réalité, c'est plutôt nous qui devons être prospères. C'est des messages qu'on a gardés pendant longtemps tabou. Oh, c'est grave. On va les tenir et demander ces voyages. Non, c'est parfois même le Seigneur va nous juger. Pourquoi on a passé un peu de Dieu pour qu'il comprenne. Parce que le papa maudit. Le papa maudit. Le papa maudit. Des actions de grâce. Papa accompagne nos prières. Prends des actes. Tu peux amener le Seigneur à agir. Et l'église sera riche. Et chacun sera riche. C'est ça qu'on appelle la loi de la prospérité. Il y a aussi la loi de la pauvreté. Quand il faut saucissonner là, quand il faut des kaki là, il est venu parler le récat. La caisse, c'est que tu sois conduit par la loi de la pauvreté. Parce que ce que tu vas faire pour booster la paix de ta vie, tu n'as pas fait. Et tu as une vie de surplace. Une vie de stagnation. Ton salaire n'augmente pas. C'est pourquoi chaque fois que tu fais la même chose. Tu peux changer les choses. Tu peux changer les choses. Tu peux le changer. Il faut marcher par la foi. Regardez cette femme que le Seigneur a qualifiée, qu'elle a trouvé pour tout le monde. Pas à ce que c'est le Seigneur, mais elle a tourné son cœur. Faut tourner son cœur. Maintenant, nous pas. Tu donnes ce qui t'a coûté quelque chose à Dieu. Maintenant, Dieu. Si le Satan t'a écouté, tu ne seras pas béni. Je dis, mon frère, je te dis la vérité, mon frère. Maintenant, Dieu. Si ça ne t'a pas coûté quelque chose là, tu ne seras pas béni. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça va te coûter quelque chose. Regardez ta vie. Et non, de nous. Le roi de Titi, non. Mais pas ta vie. Non. Laisse. Moi-même là. Je dois acheter ça. Parce que je veux offrir à Dieu. Non. Ça doit me coûter quelque chose. Oui. Parce que ça l'offrande. Oui, non. Si ça ne vous coûte rien, vous n'avez rien donné. Oui. Dieu a donné ses gens, a donné son corps, a donné sa vie, ça lui a coûté la mort. Il a peut-être coûté quelque chose. C'est important. Il faut qu'on vous enseigne ces choses. Mais ne sais pas seulement ceux-là qui vont écouter. Mon frère, le Seigneur peut te sortir la pauvreté. Il peut te sortir la misère, du chômage, du célibat. Mais tu dois faire quelque chose. Les gens de l'église de la Valais ont compris. Ils ont compris. Non, on va aller au ciel, d'accord? On ira au ciel. Mais si tu ne sais pas faire là, non. Ta misère va te faire rater le ciel. Avant tout, là, au moment de l'argent, maman, il s'est vrai. Si tu ne sais pas faire, non, tout là, ta vie de célibat va te faire rater le ciel. Assis, ma gars, ce moment de l'argent, maman, il s'est vrai. Chers frères, regardez, c'est important. Un pota qui va commencer par participer. Ça va être le fait de participer. Mais pas de chien intérêt quelque part. L'église est occupée. J'ai une grande maison. Ah, on peut faire une cellule ici. Vous en avez. L'église sont là, mais personne l'utilise. Lève-moi quand je dis ça. L'église est pleine. Donc, on se rappelle les taux de libéralité. Mais ils ont été ces taux. Mais tu es d'autres temps. Et tu dans l'église, il y a toujours ça. Là où tu l'as vu aujourd'hui. C'est trois personnes qui font l'église. Il y a toujours quelqu'un qui est riche. Que le Seigneur dépose ce temps en lui. Toujours. Il n'y a pas. Le Seigneur n'a pas de son église comme ça. Il a équipé l'église de tout ça. La vie dit qu'il a pris, qu'il a pris de toutes les puissances spirituelles, de toutes. Et le Seigneur a pris de le céleste. Toujours quelqu'un. Mais que le Seigneur. Bah, pour là. Donne ses capacités. Vraiment. Cette personne. Pour que cette personne voit la bénédiction, elle doit commencer. Elle doit poser l'acte. Mais moi, quand tu es là, nous, quand elle doit poser l'acte. Elle doit poser l'acte. L'acte de donation, bien.
comment on appelle même la libéralité, voilà la libéralité. Ça peut être toi qui gagne 15 000 francs le mois. Ça peut être toi l'ouvrier. Ou bien le manœuvre. Qui va traverser les sentiers. Ça peut être toi la soupe de l'église. Tu vas venir au zéro qu'il faut là. Tu vas voir. Ça va changer. Parce que c'est sur toi. C'est sur toi. Le Seigneur a déposé ça en toi. Et il faut que le don se travaille. Comme n'importe quel don. Il y a les gens qui ont le don de libéralité. Comme les dons de guérison se travaillent. Non, c'est pas ça. C'est pas quand on dit, tu as le don de guérison. Tu dois guérir les malades. Jusqu'à ce que ton temps devienne ton puissant. Jusqu'à le temps de libéralité. À un moment donné, tu vas poser une date. Et une grande porte va s'ouvrir sur ta vie. Dans une connexion avec quelqu'un. Avec quelque chose qui va changer littéralement ta vie. D'un coup. Et tu passes encore. Et tu changes encore. Le chef de Seigneur a mis dans l'église des Joseph d'Arimathée. Des gens dans l'église. On va prêcher. Alléluia. Ma voix est toujours là. Le Seigneur Jésus a donné à l'église des Joseph d'Arimathée. Joseph là. Des Suzanne là. Des femmes de dissection. C'est ici même. Et qui le fit? C'est ici. Et le fit? Permettez que je prêche sur ça pour que vous compreniez. Mais dis qu'il y en a dans le monde. Je crois qu'on va venir que l'église change de cadre. Que l'église change de cadre. Nous avons une idiote, mais. Que je vois des voitures garées ici. Non, moi, montre-le les garées. Alléluia! Alléluia! Que je vois les voitures garées ici. Non, montre-le les garées. Que je vois les jeunes se marier. Les jeunes se marier. Qu'il y a des enfants ici. Nous avons vu la petite fille. C'est écrit sur vous. Et quand on me dit, on doit faire quelque chose. Mais blonde, on doit faire le geste qui sauve. Mais blonde, là, on le dit dans le monde. Peuple de Dieu, c'est vraiment important. Regardons ceux que nous voulons imiter. Mais quoi, mais regardez les disciples, ils étaient riches. Ils étaient riches. Et de quoi? Ils étaient vraiment riches. Et de quoi tant? C'était vraiment une supplie de quoi que ce soit. Et même l'engoudou est. Mon frère, ma soeur, ce message que tu entends, ce message va t'aider à vraiment reconstruire ta vie. Ta vie qui était désespoir. Ta vie qui était vraiment un projet inachevé. Toi-même, tu te posais comment un projet inachevé de la vie. Ce message s'adresse à toi. C'est plus puissant que les prières de combat. Parce que ça va ouvrir ton esprit. Alléluia. Alléluia. Quand on verra une autre fois, on va voir une église joyeuse. Mais voilà, vraiment, il y a un vrai brassage entre les frères. Et là, moi, que, mais, on quoi? Voit que vraiment le Saint-Esprit est en action. Et là, moi, que, quoi, là, et quand c'est comme ça, s'il y a un sorcier parmi vous, et au moins, on a dit, le Saint-Esprit va l'expulser. S'il y a un agent du diable parmi vous, parce qu'il est différent de la communauté. Il est sur le même à côté. Comme Ananias et Saphira étaient différents. Il voulait jouer à l'hypocrisie. Alléluia. S'il n'y a pas cette chose-là, ceci va s'asseoir pour toi. Il va me prier pour toi. Et là, on ne veut pas quand même. Frères et sœurs, vraiment, faisons attention. Les temps sont réellement finis. Attends, assis-toi là-bas, quoi. Et le Seigneur peut chercher son église. À cause des gens là-bas, il y a quoi? Mais quel genre d'église va chercher? À compter là, mon ami. Le Seigneur veut chercher une église comme elle a laissé au temps des apôtres. Et en zéro, à compter des gens, à quoi c'est temps? Une église plus riche. À bon. Tu là, non? Que chacun fasse le travail sur lui-même. Mais vous voyez, vous voyez, dit. Moi, quelle est ma part dans ce qui est dit? Est-ce que c'est moi qui empêche la communion? Est-ce que je ne suis pas un problème dans l'église? Allez-nous à quoi? Est-ce que je ne suis pas
un danger pour l'église. Bien aimé, soyons des solutions pour la communauté. Donc, vous dites, mais à laquelle nous appartenons. Nous, que chacun à son poste au travail. Mais ne relâchez pas. Ne relâchez pas. La Bible dit que si le juste cesse de pratiquer la justice et il va commencer par pratiquer la méchanceté, toute sa justice sera oubliée. Dieu va tout oublier. Il va considérer la méchanceté qui est son œuvre finale. Et si le méchant, si le calomniateur, si celui qui dénigre, si celui qui est vraiment qui divise les frères, tout le monde connaît dans l'assemblée, s'il chante de vie et comment pas marcher selon la voie de Christ, tout sa méchanceté sera oubliée. Et Dieu va considérer sa justice. C'est pourquoi la Bible dit, certains premiers seront les derniers. Bien aimé, ne sois pas ténier. Ne sois pas ténier. Le Seigneur a un plan vraiment pour toi. Jésus est ton titre pour bien te toi vraiment se manifester. Bon, titre est dans ta vie. Se réaliser dans ta vie. Il ne faut plus donner assez au diable à ta vie. Maintenant, au Seigneur, c'est de tout ton cœur. Et tu vas voir comment ta vie va changer. Tu vas voir comment ta famille aussi va changer. Ta prière, l'endroit de ta vie, tu vas voir comment le Seigneur va t'exaucer. C'est ça la fidélité. C'est ça la communion fraternelle. Non, Jésus. De Dieu, le message de mon mari m'a mis à cœur. Nous devons vraiment faire tout. Pour que cette communion soit rétablie. Nous, non, quoi, nous vivons maintenant. Il y a des moments de réjouissance. Qui partageait le paix avec simplicité de cœur. Mais voilà, on partageait la nourriture avec simplicité de cœur. Quoi, un pas bon. Voyez, donc, parfois, on prépare l'église, tout le monde mange ensemble. Et là, on prend le du repas. La communion fraternelle. Et ouais, à la fin du culte, on mange. Donc, on se change. Vous savez, le vrai culte là, mais encore si c'est un peu lorsque tu n'as pas d'avoir fini le culte, mais connaissez si c'est faux, c'est ce qui se passe qui m'occupe vraiment. Vous voyez, quand les gens ont fini le culte, n'est faux, chacun démarre sa voiture, sa moto, et disparaît. Ça, il n'y a pas combien de fois. Il y a une colloque de vie, mon. Il n'y a pas combien de frères. Donc, quand on fait le cul, c'est là, mais les frères, ils vont s'asseoir, ils vont se parler. Ne faut pas combien de frères. Tout le monde est là, quand on est là, quand on dit, on se partage. Là, il y a là, ce temps de change. J'accorde le temps, mon frère. Mon frère m'accorde son temps. C'est ça le vrai cul. Bon, oui, c'est ça. C'est quoi le frère, c'est pas encore le cul. Ne le fais pas. Les gens sont pressés de rentrer chez eux. Mais là, le président a quitté la communion. Mais là, trop ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas intégrés. Mais bon, bien, pleure à Jésus. Chers frères, vraiment, le Seigneur vous supplie. Il a béni cette église. Et cette église est comme l'église de Corée qui a reçu presque tous les dons. Je vous dis la vérité. Il y a tous les dons dans l'église. Tous les temps sont dans cette église. Il y a des gens, mais je vois déjà le Seigneur me dit, voilà, Jésus dans il a donné un don de la foi. Don de la foi. Il s'est fait un travail. Et voilà ce que vous allez faire. Lorsque l'Esprit de Dieu va vous toucher, et le Seigneur va tester dans votre cœur. Après, il y a un don de la foi. Qui vous a doté de tel don? Et dans le cas où vous allez répondre de ce don. C'est pourquoi vous allez travailler ce don. Vous allez travailler ce don. Maintenant, j'ai un don de guérison. Pour les malades. Même s'ils ne sont pas guéris. C'est que le don est en train de grandir. C'est comme un petit. Il finira pas être guéri. Ceux qui ont les dons, mais là, nous avons des révélations. Bien-aimés, le Seigneur me dit de vous dire qu'il y a besoin de vous, beaucoup de consécration. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, voici ce que l'Esprit doit faire. Il a donné à chacun, même les bébés, sont les dons. Même il y a pas voulu n'a échappé. Personne n'a un don. Mais pourquoi donc il n'attend? Il n'y a personne qui est venu. C'est tout. Mais les quelques maladies descendent. Parce que nous sommes comme
des membres du corps de Christ. Hey, mais tu peux à nous, Christ. Peut-être c'est la chair qui est la main. Peut-être c'est la fleur avec le pied. Nous vient à fournir. Hein. Peut-être c'est le moment avec qui consiste les yeux. Maman, elle nous connaît. Hein. Si chacun est posé sur le corps, c'est qu'il a une fonction. Quelle partie de son corps est inutile? Dites-moi. Quelle partie de votre corps qui est inutile? Il faut enlever ça. Enlever. Si tu constates que quelque part de ton corps est inutile, même les sorties, tu vois que c'est inutile. Même fait tata à la tour, même dans ce noir. Est-ce que tous les jours tu les sommes? Vous voulez venir en enfer? Tu les sommes tous les jours? En enfer, vous voulez venir. Mais est-ce que c'est une raison de les enlever? Quand tu vas enlever, c'est là que tu vas comprendre l'utilité. Chacun est comme ça dans l'église. Chacun est important. Chacun doit comprendre son rôle. Correctement. Amen. Si tu es vraiment béni, tu vas te nommer, tu vas béni, tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Tu vas l'acclamer. Tu vas l'acclamer. Amen. Tu vas l'acclamer. On va prier. Bien-aimé, le Seigneur a montré l'état de l'église. Et chacun de nous est responsable de quelque chose. Personne ne va dire que moi, là, je n'ai rien fait. Tu mal dans l'église. Je n'ai rien fait contre la communion fraternelle. Chacun a fait quelque chose. Mais les blondes, chacun a contribué à la destruction de la communauté. Mais il faut que les blondes vont rien voir. Bien aimé, le message a été donné. Et voyons, et non. Comme chacun passe, comme un miroir qui passe devant chaque personne. Tu vas fermer les yeux. C'est comme un miroir que le Saint-Esprit se met devant toi. Et tu apparais devant ce miroir. Il me sert de révéler que tu as contribué négativement dans la salle. Tu vas voir qu'il y a calomnie qui sort de ce miroir. Tu vois qu'on a pas de mimique. Peut-être à ton niveau, on va que c'est l'avarice. L'avarice. Restez concentré. Alléluia. C'est ton moment d'intimité avec l'Esprit de Dieu. Le Seigneur te montre l'avarice à ton niveau. Et tu ne soutiens pas. Le Seigneur montre la cupidité à ton niveau. Si c'est toi, tu vas commencer par toi-même. Tu vas commencer par demander sincèrement pardon. Toutes les forces où tu as manifesté ce caractère. Tu as de l'argent sur toi, tu as des pieds sur toi. Tu as des habits, tu as des chaussures que tu n'utilises pas à la maison. Tes habits mal dans l'église. Et tu vois ça tous les jours. Et ta conscience t'interpelle. Et tu ne fais rien. Tu vas demander pardon. Tu vas demander sincèrement pardon. Tu as détruit la communion. Toutes les fois, tu as divisé les frères. Tu as parlé mal des hommes de Dieu. Ce qu'un homme t'a fait à un autre, tu as rapporté à un autre. Tu l'as divisé. Le Seigneur veut se réconcilier avec toi. Avant de rétablir la communion, toi et les frères. Tu vas prier sincèrement. Combien de fois tu as été pied celui qui trouble l'église. Celui qui travaille dans l'église. Tu vas demander sincèrement pardon. Toi qui ne pardonne jamais. Parce que les hommes de Dieu t'ont fait un reproche. Tu as dit que ce n'est pas comme ça en fait. Tu es là, tu vas demander sincèrement pardon. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus. Parce que de ça, la belle famille que le Seigneur est en train de constituer, tu es en train de la détruire. Famille n'a pas encore vraiment bien pardon. Et à la fin, tu vas voir les hommes de Dieu. Il faut un moment d'entendre. Parce qu'il dit que si ton frère a quelque chose contre toi,
Pour que tu viennes foutre dans ton offrande. Anna, ni on dirait l'offrande devant l'Éternel va faire la paix avec ton frère. Tu as connu Nathan de Webbia. Ou bien c'est ton frère qui est chaud contre toi. Pour le mec, pas comme moi. Bien aimé, tu vas faire la paix. Oui, tu as un bien. Si ton frère n'est pas réconcilié, ce moment de communion ne peut pas être bénéfique pour toi. Anna. Ce moment de communion ne peut pas être bénéfique pour toi. Ah, c'est quoi là? Eh bien, il va, il m'a. Ne me fais pas la bouche, mon frère, tu n'as pas compris. Je n'ai pas vu, tu ne veux pas te fâcher. Je ne veux pas ce que tu as mal fait. Ah, mon frère, on est là, mon frère, ma soeur. Ne me fais rien, non. Mais tout le monde, pardon. Bien, toi là. Tout le monde, c'est ça, mon pardon. Bien, toi là, nous voyons. Tu avais le pouvoir, tu avais la capacité de faire du bien, mais tu ne l'as pas fait. Attends, il faut vraiment un abonné. Mais tu dis que tu es de l'Assemblée Jésus revient. Encore une, Jésus revient. Tu dis que tu as Christ dans ta vie, tu t'appelles chrétien, chrétien. Encore une, chrétien. Oui, c'est le rêve de bon, c'est seulement pardon. Non, c'est bien, tu restes à l'heure du pardon. Attends, si c'est l'heure de la réconciliation, c'est quoi ton attention? Tu vas te répondre sincèrement à nous l'ambiance. Le pardon, sincèrement, mais attends, mais voilà, t'as un mensonge. Non, là, non, non. Devant le miroir, tu vois mensonge. Tu vois mensonge. Le Saint-Esprit te révèle. Encore une fois, vous pouvez. Tu révèles combien de mensonges. Vous pouvez. Le mensonge détruit l'assemblée de Dieu. Le mensonge détruit l'assemblée de Dieu. Le refus d'être détruit l'assemblée de Dieu. Né à mon Dieu, il me dit, il y a un moment. Le bon, c'est seulement pardon. Bien, ton Seigneur t'a mis à cœur. À cause d'un, il y a deux. Je suis tenu les hommes de Dieu. Ah, il voit la loi. Il y a deux. Ils sont des missions des enfants et des jeux. Tu m'as demandé sincèrement pardon. Bien, tu l'entends. Sincèrement pardon. Bien, tu l'entends. C'est un bien à cœur. À cause d'un, il y a deux. T'as trop tenu sa maison. Annie, on veut votre tu continues encore de faire des calculs. Eh bien, à quoi, car il y a un peu beaucoup de calculs. À cause d'un, il y a deux. Oh, mon frère, laisse-moi te dire que ta balance est déjà faussée. Eh, non, tu dis qu'à l'heure que. Demande pardon, bien pardon, pardon, moi je me réponds. Bien pardon, Seigneur Jésus, je ne sais pas, maintenant il fait ça, c'était vraiment un grand problème. Maintenant il t'a remercié pour l'église. Seigneur, je ne savais pas que j'étais responsable aussi, responsable. Maintenant oui, on manque de l'argent. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Avant Jésus, bien, toi. Bien aimé, demande sincèrement pardon. Avant Jésus, bien, toi, nous votons. Seigneur, pardon, moi je me réponds. Avant Jésus, Seigneur, pardon, je prends l'engagement. Ben, je bénis. De faire mon œuvre, de faire l'œuvre. Bien, bêta, moi, de faire l'œuvre. Pardon. De faire mon œuvre. Pardon, tiens. D'être fidèle à mes postes. Seigneur Jésus-Christ, je me réponds sincèrement. Je me réponds, je change de vie. T'as enseigné le jour à venir. Tu verras les changements dans ma vie. Tu verras comment je vais m'occuper de ta maison. Tu verras comment je vais m'occuper de mes frères. Comment je vais soutenir mes frères. C'est pourquoi, Seigneur, enlève de mon cœur. Enlève de mon cœur la haine. Enlève de mon cœur la haine. Je ne commence pas à prier. Dis cet esprit. Enlève de mon cœur. Oh la haine. Enlève de la haine. Aide les frères. Je pense mal de mes frères. Là, je me réjouis de la faiblesse. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Dis Saint-Esprit. 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 Libère-moi. Tout le monde. Libère-moi. Libère-moi. Et toi, Gatien, libère de moi que la haine. Et toi, Dieu, tu es mon Saint-Esprit. Pourquoi ça, Gatien? À cause de moi, j'ai infecté l'assemblée. Et toi, Gatien, de l'âme tu. Esprit de Dieu, délivre-moi de l'âme tu. Dis Saint-Esprit. Libère-moi de l'âme tu. Libère-moi de cette racine d'âme tu qui est en moi. Je ne te vois pas prier. Maman Adéro, je ne te vois pas prier. Oh, bien-aimé, je ne te vois pas prier. Maman Adéro, je ne te vois pas te prier. Maman, je te vois te mimer. Prie. Maman, prie. Le Seigneur veut faire quelque chose de ta vie aujourd'hui. Si le Saint-Esprit a pu te envoyer tes serviteurs, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. C'est parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Oh, prie. Dis Seigneur, libère mon cœur. Libère mon cœur de la rancune. Mon cœur de la rancune, cette racine de rancune en moi. Oh, Saint-Esprit, libère-moi. Seigneur Jésus, je veux m'approcher de ta table. Je veux m'approcher de ta table. Je me réconcilie avec toi. Seigneur Jésus. Je ne peux pas m'approcher avec la rancune dans mon cœur. Seigneur Jésus,
Je veux entrer dans cette nouvelle famille. Bien vu, hein, avec la rancune au cœur. C'est pourquoi, Seigneur, Saint-Esprit, viens à mon secours. 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 Je veux te voir prier. Je ne peux pas comme ça se doit. Est-ce que tu ne comprends pas ce qui est demandé? Prie sincèrement. Le Seigneur veut faire quelque chose. L'Esprit de Dieu est en train de préparer quelque chose. Pour le peuple de Dieu. Pour le peuple de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de préparer quelque chose. Oh, toi qui as attaché quelqu'un dans ton cœur. Tu as dit plein de frères. Libère ta soeur. Libère-le. Libère-le. Détache-le. Dis Seigneur, je détache mon cœur. Je détache ma soeur. Oh, je le libère. Je lui pardonne. Je lui pardonne. Je lui pardonne. Seigneur, sincèrement, je dis Seigneur, tu m'as pardonné. Moi aussi, je pardonne. Moi aussi, je prie. Je prie ce qu'on m'a fait. Je prie ce qu'on m'a fait. Aujourd'hui, Seigneur, c'est maintenant que je suis devenu chrétien. C'est maintenant que je suis devenu chrétien. Longtemps, j'avais une vie de païen. Aujourd'hui, Seigneur, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, pitié. Dis Seigneur, pitié. Pitié pour moi. Seigneur Jésus, pitié. Toute la foi. Toute la foi, Seigneur Jésus. Toute la foi, Seigneur Jésus. J'ai manqué mon devoir. À l'assemblée. Seigneur, pitié. Toute la foi, Seigneur. Je viens à l'église quand je veux. Je viens quand je veux. Alors que la Bible déclare que les disciples étaient assidus. Tous les jours, ils venaient au temple. Mais moi, je viens quand je veux. Je viens quand je veux. Seigneur, je me repens. Je me repens. Seigneur, mets dans mon cœur la ponctualité. Mets dans mon cœur l'acidité. Seigneur, mets dans mon cœur l'acidité. Seigneur, mets dans mon cœur l'acidité. L'acidité dans mon cœur. Lève la voix, demande le feu. Le feu de l'amour dans ton cœur. Le feu de l'amour dans ton cœur. Le feu de l'amour dans ton cœur. Que l'amour brûle dans ton cœur. Que l'amour brûle dans ton cœur. Que l'amour brûle dans ton cœur. Si tu aimes ton frère, tu vas le supporter. Si tu aimes ton frère, tu ne vas pas le critiquer. Si tu aimes ton frère, tu ne vas pas me mettre contre lui. Tu aimes ton frère, tu ne vas pas le médire. Oh, si tu aimes ton frère, oh, tu vas l'aider. Si tu aimes ton frère, tu vas le soutenir. Réclame Réclame le feu de l'amour. Et dans le feu de l'amour va rentrer en toi. Tu vas sentir quelque chose se passer. Si le feu de l'amour rentre en toi, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce que le feu de l'amour fait. Tu vas voir ce que le feu de l'amour fait. Tu vas sentir ce feu dans ton cœur. Tu vas sentir quelque chose bouger dans ta vie. Tu vas sentir quelque chose de sortir de toi. Tu vas sentir parce que ce feu, la chance a lieu. Le feu de l'amour descend. Le feu de l'amour descend. Descend dans le cœur.
recevez le feu de l'amour. Le fardeau tombe. Le fardeau qui sort dans le cœur tombe. Le fardeau 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 qui sort dans le cœur tombe. Le fardeau qui sort dans le cœur tombe. Le feu de la voix prend son le feu de la voix prend son le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Reçois le feu de l'amour de ton cœur. Reçois le feu de l'amour de ton cœur. Reçois le feu de l'amour de ton cœur. Le feu de l'amour brasse au 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 cœur. Reçois le feu de l'amour de ton cœur.
le feu de l'amour, reçois 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 le feu de
et esprit méchant en ce lieu. Sors! Pas! Pas! Alors sors, esprit de mort, allez, va-t'en. Je te commande au nom puissant de Jésus, va-t'en. Va-t'en! Toi, esprit de mort! Toi, esprit de mort en ce lieu! Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Je sais que tu es là. Alors pars. Le repère, c'est quand? Allez, sonnez. 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 Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. 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 Lâche à main. Lâche à toi. Tu vas lâcher cette toi. Tu vas lâcher, c'est toi. Tu vas lâcher, c'est toi. Lâche, 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 lâche. Allez, lâche. Lâche. Lâche, c'est toi. Tu vas lâcher. Tu vas lâcher, c'est toi. Tu vas lâcher. Allez, l'instant. Le feu de moi. Tu passes. Tu passes. Oh, le feu. Oh, le feu. Les habitants de Sodome et Gomorrhe n'ont pas pour supporter ce feu. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui peux résister devant le feu dévorant. Le feu dévorant est là. Il est là. Ce feu est là. Allez, esprit de mort. Esprit de mort. Allez, sors. Lâche ses mains. Lâche ses mains. Lâche ses mains. Lâche maintenant! Lâche! Allez, lâche! Lâche le nom de Jésus! Et lâche! Lâche cette main! Maintenant, maintenant! Maintenant, maintenant! Allez, lâche-moi! Lâche cette main! Oh, Saint-Esprit! Libère-la, libère-la, libère-la! Par ta puissance! Que la mort soit d'ici! Que la mort soit d'ici. Mort, tu es vaincu. Mort, tu es vaincu. Mort, tu es vaincu. Allez, sonne. Au nom de Jésus. Tu sors maintenant. Tu sors de sa vie. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Malédiction familiale. Tu sors maintenant. Je te recommande de sortir. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors. Je vais le sortir.
Dans le sang de Jésus.
Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je prends 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 le sang de Jésus. 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 Tu prends le sang de Jésus. Tu prends le sang de Jésus. Et le bas du cancer. Tu prends le sang de Jésus. Tu prends le sang de Jésus. Et la maladie. Et le bas du cœur. Et l'asthme. Ça reste. Tu prends le sang de Jésus. Tu as qu'un écran respiratoire. Tu prends le sang de Jésus. Tu as qu'un des difficultés à respirer. Toi qui es là. Que tu as des difficultés à respirer. Commence par boire le sang de Jésus. Commence par boire le sang de Jésus. Commence à boire le sang de Jésus. Commence à boire le sang de Jésus. Commence à boire le sang de Jésus. Toi qui touches le fil de ton là où tu as mal. Si tu as mal partout sur ton corps, alors mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main si tu as mal partout dans ton corps. Mets ta main sur ta tête. Si tu ne vas pas bien, mets ta main sur, mets les deux mains sur les yeux. Si tu as un problème de gorge, mets ta main à la gorge. Si tu as mal au rein, si c'est à côté gauche, mets ta main. Si c'est à côté droit, mets ta main. Tu as quelle douleur lombaire, mets ta main aux hanches. Toi qui ne comprends pas ce que tu souffres, mets ta main sur la tête. Cet esprit. Esprit de Dieu, papa, je te dis merci pour ta présence. Cet esprit, je sais que tu es là. Papa, tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui vont crier. En mon nom. En mon nom, ils imposeront des mains aux malades et les malades sur qui. Seigneur Jésus, tes enfants sont malades. C'était au mal au pain. C'était au mal au rein. C'était un mal aux yeux, c'était un mal aux oreilles, c'était des maux de tête incompréhensibles, c'était un mal dans tout le corps. Cet esprit, esprit de guérison. Visite ton peuple, visite ton peuple, cet esprit, visite tes enfants. Oh, my God!
Elle a pris tous les médicaments, elle a essayé tout. On a prié pour lui. On a prié pour elle. Pas de changement. Aujourd'hui, quand tu allais au bord de la piscine de Bethesda, et tu as vu ce paralytique, depuis tout temps, il traînait ce mal. Il n'y avait personne pour le jeter en premier dans la piscine. Mais toi-même, toi qui es la piscine de Bethesda, tu es là. Que l'eau de guérison. Que l'eau de guérison. Soit répandue sur le peuple. Oh mon Seigneur, mon Dieu, fidèle. Toi, oh Seigneur, rempli de compassion. Oh mon Dieu. Seigneur Jésus, ce jour, tu fais chacun de nous. Tu guéris. Reçois la guérison. Reçois ta guérison. Tu vas sentir quelque chose se passe. Tu vas sentir un petit vent qui souffle autour de toi. Tu vas sentir un feu qui monte de tes pieds. Tu vas sentir quelque chose dans ton cœur. Oh, c'est ta guérison qui est déclenchée. Le Saint-Esprit en nous. L'Esprit est en mouvement. L'Esprit est là. L'Esprit de guérison est là. Il est là. Il est là, il guérit. Il guérit. Il a pris les infirmités. Il a pris les maladies. Il a pris les souffrances. Il les a pris à la croix. Il les a crucifiés. C'est pourquoi la maladie ne peut plus régner dans nos corps. La maladie ne peut plus régner dans nos vies. La maladie ne peut plus régner dans nos vies. Reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Ce souci qui vous vient de temps en temps disparaît. Le sang sur le feu. Le mal de roi s'en va. Libère-la. Tu me dévoiles. La flèche qu'on a tirée, c'est ta vie. Je retire là-bas. Toi qui, dans le sommeil, on a tiré sur toi. Le peuple se sent un peu malade. L'Esprit. Tu as pris son âme à l'hôpital. Cet esprit. Le Saint-Esprit te visite. Aujourd'hui, c'est la fin des jours. Le Saint-Esprit te visite. Au nom de Jésus. L'Esprit te visite. L'Esprit te visite. Et retire les balles. Il retire cette balle de ton corps. Cette balle qui te met la fatigue. Tu sais la fatigue qui ne comprend pas. Tu es tout à fatigué. Fatigue générale. Sors de ce corps. Pas. 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 Pas.
en laissant que ce manteau sale qui est sous son corps soit déchiré, qui est sous son âme soit déchiré, qui est sous son esprit soit déchiré. Oh, bien-aimé, le Seigneur enlève le manteau de la honte, le manteau de la maladie, le manteau de la souffrance. L'Esprit de Dieu, oh, change les vêtements. Change les vêtements. Il enlève un vêtement d'iniquité. Son vêtement, chaque fois quand tu portes, tu ne sais pas pourquoi tu te mets en colère. Son vêtement, chaque fois quand tu portes, oh, tu as les pensées impures. Tu es poussé. Il y a une force qui te pousse vers l'adultère. Il y a une force qui te pousse vers l'impudicité, vers la pornographie. Oh, cet esprit, enlève ce vêtement. Enlève ce vêtement. Enlève ce vêtement. Tu reçois un vêtement nouveau. Tu reçois un vêtement nouveau. Seigneur, donne-lui un cœur de sagesse. Un cœur de sagesse. Un cœur de sagesse. Un cœur de sagesse. Pour t'aider. Pour faire ta volonté. Cet esprit, esprit de Dieu, que tous ceux qui ont perdu la vie de prière, à l'instant, ils le retrouvent. 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 Seigneur Jésus, je prie pour ce peuple. Pourquoi que je lève ma main, papa, c'est la main de bénédiction que je lève sur ton peuple. Je prie. Que ton peuple reçoit ta grâce. Reçois ta grâce. Qu'il reçoit ta grâce. Papa, je prie. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ avec ce peuple. C'est un nouveau départ avec ce peuple. Jésus-Christ, que ce jour change nos vies.